Voilà. Alors. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Bienvenue aujourd'hui pour ce petit suite de Astronaire. Hein. On va continuer notre aventure parce que c'est comme ça que je voulais le faire et puis c'est tout. Le titre n'est pas bon, forcément. Je l'ai mis. Je crois que je l'ai modifié même. J'aime cette aventure. Bon, j'ai mis J'aime cette aventure. On verra bien ce que vous en pensez de ce petit contrepartie. Save, chargé. Je vais vous mettre déjà l'écran, ça serait bien. Allez hop. Charger l'écran. Chargement du système solaire en cours, veuillez patienter. Bon, on va attendre un tout petit peu parce que je sais que le jeu, quand il démarre, il est tout à fait en mode PLS, hein, comme d'habitude, pour pas changer. Tant que le jeu charge, on sort son petit père. La dernière fois qu'on s'est laissé, je crois qu'on avait fait quelques manipulations avec notre voiture, notre tracteur. Et que j'avais découvert un buggy aussi, on s'avait laissé là-dessus. Je dois baisser le son aussi parce que j'ai remarqué que dans le retour, bien sûr, forcément, il y a des soucis. Le son, moi je l'ai bien, hein. Moi je l'ai même très bien le son du jeu. Je vais même l'augmenter au niveau de mon... Ah bah non, là, ça l'augmente pas, ça a complètement descendu. Ah là, là j'ai un bon son. Pour le retour, en fait, directement de YouTube. Parce que après, sinon, bah forcément, j'ai un mauvais retour pour YouTube. Donc, comme je disais, un tracteur, buggy, cette petite centrale nucléaire adaptatif, hein, GTR mini, qui donne de l'énergie, je crois que c'est du combien, c'est une unité d'énergie par seconde. Ça se prend, je crache pas dessus, non, c'est sûr et certain. On a essayé aussi de faire cette petite lancement de fusée, hein, qui n'est pas à moindre de coût, hein, comme on dit. Ça nous a coûté cher. Cette impression 3D qui coûte encore plus cher, hein, et quelques bricoles que j'ai dû faire entre deux parce que bah, on a besoin d'un tracteur fonctionnel qui puisse nous ramener quand même pas mal d'objets. Enfin voilà, vous avez compris. Le buggy, je l'ai laissé là parce que inutile. Ça, c'est pour faire vraiment des choses très loin. On met une sorte de on met un truc solaire et un truc pour le vent, hein, éolienne, pour aller se balader. Mais forcément, il n'a pas de choses à tracter. Donc forcément, c'est... Je peux pas tracter, en fait. J'ai pas la prise pour tracter. Le tracteur, oui. Lui, il peut tracter. Donc dans ce sens, moi, je me dis, c'est impeccable. Ce que je vais faire, les amis, tout de suite, ce serait de baisser le son du jeu. Parce que je ne l'ai pas vu sur le moment. Mais il faut savoir que le jeu a tendance à avoir des sons assez forts. Et qui prend sur mon personnage. Alors du coup, ben, je n'ai pas des sons si normalement. On a des sons. Son principal surtout. Qui était déjà 80%. Qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir un truc qui va à fond. Alors désolé. Aussi au passage, j'ai un petit rhume. Je parle un peu du nez. Donc si vous entendez des choses... c'est moi. Tout simplement moi. Le soleil se lève, donc lui s'est mis en route. Vous voyez comme quoi le solaire moyen se met en route et nous donne de l'énergie. Alors pourquoi on aura besoin de l'énergie? Parce qu'on a besoin de beaucoup de choses ici, beaucoup trop même. Pour la suite de nos missions, je voulais savoir du coup on en était. Il faut récupérer les Silva. Il faut faire tout ça en fait, c'est les missions, fournir un terrarium et tout ça. À tour de bras, imprimer un bras auto. Donc le bras automatique qui est normalement ici. J'espère pouvoir le retrouver. Alors petit dynamite. Dynamite on l'a mais on n'a pas les poudres explosives, hein. Ça voilà. C'est les modules. Ça c'est les éoliennes. Alors le bras, je suppose que ça va être un peu plus loin dans les... Le bras automatique, le voilà. Donc on l'a. On peut faire ça avec de l'aluminium et du graphite. Alors je sais pas comment ça fonctionne. Je vous le dis tout de suite, hein. Je vais pas non plus vous dire ah ça fonctionne comme ça, comme ci, comme ça. Non, je sais pas du tout. Mais on peut l'imprimer. Donc, le bras. Je suppose que le bras va se faire dans une sorte d'imprimante un peu, on va dire, moyenne. Cette imprimante, elle est ici.
Centrifugeuse G, sale plateforme grande, hein. Buggy, ça on l'a fait, hein. Centrifugeuse de terre, donc c'est pas ça aussi. C'est pas ça. Ici. Imprimante. Un abri. Waouh. Attendez. L'abri est immense. Mais bon. Alors je peux pas. Je peux faire un abri, mais je peux pas faire plus. Donc on va aller voir dans le dernier. Imprimante. Stockage moyen, siège, tracteur, remorque, petit nain, éclairage, dynamite, imprimation, oxygénérateur, bras automatique. Aluminium. C'est du zinc. Ça doit être ça l'alu. Il m'en faut un. Et du graphite. Du graphite, j'en ai pas. Du graphite, c'est une sorte de truc qu'on dirait un hérisson poilu. Et je crois que c'est dans les montagnes que j'avais vu ça dernièrement. Mais je sais que j'en ai plus ici. En tout cas, voilà, ça c'est la dèche, comme on dit. C'est la dèche. Ça, l'oxygénérateur limite poubelle. Hein. Réservoir d'oxygène aluminium, on va même le ranger. La terre, pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je vais essayer de trouver du graphite et je vais y aller avec, du coup, mon tracteur. Qui est à l'opposé de moi, qui est à l'opposé. Voilà. Alors du graphite j'en ai pas. Je l'ai pas noté. Je devrais prendre avec moi. C'est quoi déjà? Ceci. Qui va nous servir de balise. Ça si je dois revenir dans une grotte ou un truc dans le genre. J'ai juste à suivre cette balise. Hey Laura! Hey hey hey! On continue l'aventure. Et ouais, l'aventure, hein. Alors, je perds de l'énergie. Alors, c'est à quoi que j'ai pas été. Et forcément, je n'ai pas de tuyau avec moi, forcément. C'est tout moi, hein. Je parle les mains vides. C'est pas forcément bien, ça. Alors, partir les mains vides, non, c'est pas bien. Alors, sachant que j'ai besoin de matos à chaque fois, j'ai pas ici. Non, j'ai pas ce qu'il me faut ici. Est-ce que je vais en trouver? Peut-être sur place. Ouais, il me faut ça là, ça, ce truc là. Qui est là par terre. Composite. Je fais des trous chez moi, oui, c'est chez moi. Je peux faire ce que je veux car c'est chez moi. Voilà. Il veut pas tout de suite là. Voilà. Bon, je peux reboucher, hein. J'ai le truc de terre. Mais là, c'est dégueulasse. Ça ressemble plus à rien du coup. Je fais des trous tout le temps partout. Bah, il y en avait là. Regardez ça. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. La terre. On va essayer de reboucher ça, hein, bien sûr, forcément. C'est de faire ça proprement. Proprement, hein. Proprement dit, vite fait, hein. C'est pas mal. Ah, ma voiture. Non, c'est bon, ça va aller. Merci. Hop. J'ai perdu un temps fou avec pour ça, quoi. Je vais faire tout de suite mes tuyaux, hein. Attendez. Hop. J'ai perdu un petit peu la main, là, ça va pas. Ah, c'est bon. Rallonge. Rallonge. C'est quoi qui vient de me faire avoir? Pile, enfin des piles. Non, petit générateur, non. Des rallonges. Il m'en faudra sur place. Parce qu'à chaque fois que je me balade, à chaque fois, il n'y a pas toujours ce qu'il faut. Allez, je repars direct. Là où il n'y a pas de tuyau. Forcément, mes piles vont se dépenser. Alors, je sais pas vraiment où je vais, hein, je vous le dis tout de suite. Mais j'ai besoin de graphite.
moi que dalle. Et moi je suis ébloui par le propre soleil de chez moi, si vous voulez. Eh. Ah bah, il y a un petit peu de vent. Allez, c'est parti. Je vais profiter, j'ai vu là sur place tout de suite. C'est pas du côté de chez moi, donc ça va. Je peux faire des trous. De résine. Je posais ça tout de suite là-dessus. Voilà, ça je n'ai pas besoin tout de suite non plus. Je garde de la place. Voilà. Après, je peux prendre plein de résine hein, et puis collecter que ça. Hein. Je suis pas obligé que de rester sur une seule sur un seul truc. C'est ça qui est bien. Je crois qu'on est déjà venu ici. Oui, on est déjà venu ici à l'opposé de chez moi. Ah oui, ça glissait ici. Mon tracteur faisait des trucs chelous. Forcément faire très attention. Alors là, ce que je trouve, c'est merveilleux. Ça, on va le foutre là-dessus. Et ça, on va le creuser tout de suite. Voilà. Ça, on va le prendre. Non, mais je veux le prendre. Je veux le prendre. Tu comprends ce que c'est de prendre quelque chose? Petit humain inutile. Hop. Et on retourne là-dessus. Je crois qu'on l'a visité, ça, là-bas. C'est là que j'ai trouvé aussi le... Hop, 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 hop. Le générateur. Attendez, on va aller voir ça quand même. Ça, c'est inutile. Ça bousille l'atmosphère. On l'a vu, on l'a archi vu. C'est ça, c'est ici qu'on a vu le générateur. Alors je sais pas, j'ai pas tout vu non plus. Je vais directement dedans. Alors, je sais pas ce que je récupère, je vous le dis tout de suite. Je vois plein d'objets au-dessus de moi, mais je n'ai pas la vue. Je n'ai la vue. Le jeu. Alors, désolé pour cette vue impeccable. Tu regardes au-dessus de toi, s'il te plaît, petit bonhomme. Oh non, non. Pas le sac. Je veux ça. Ben voilà. Ah, voilà. Je les mets sur moi. Parce qu'ici, on voit que Pouic. Attendez, il y a quelque chose par terre. C'est quoi de ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'un morceau de débris. C'est qu'un morceau de débris. C'est pas grave. C'est limite inutile. Ça, on va les enlever. Hein. Parce que c'est des... Est-ce qu'on peut le lire? Ah, on peut scanner directement sur soi. Donc, c'est bien, c'est pas mieux. Voilà. Ça, c'est fait. Un peu de câble. Alors, je sais pas c'est quoi ces résidus-là. Ah, c'est des résidus, c'est une sorte de matos. J'en ai pas besoin. Dommage. Je pensais que c'était ça, là, le composite. Mais non, pas du tout apparemment. Et là, j'ai pas, bon, j'ai pas récupéré grand chose depuis la dernière fois. Cette marche arrière. Non, 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 petit bonhomme. Remonte sur ton tracteur. On avait fait un petit chemin, regardez ça. Enfin, j'ai essayé. Oh là 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 là, je te fais du burn, moi. Allez, on continue notre aventure. Est-ce que cette grotte... C'est pas une grotte, c'est juste une crevasse alors. Une crevasse. Une crevasse tout simplement. J'ai un deuxième caillou mais je peux pas le prendre, vous voyez, comme quoi. Et ici on a un minerai. Et c'est du quoi ça? J'en ai plein à la maison. Je crois que j'en ai deux ou trois. On peut en prendre un peu. Ah, c'est pas le même. Le jeu m'a trollé. Au secours.
Le jeu. Le jeu me fait des trolls. Voilà. C'est ce que je cherchais à la base. Un minerai, si je peux avoir un minerai de chaque. Oh, il y en a plein là, regardez, ça c'est du... je crois que c'est... de l'argile, c'est ça. Je vais aller voir ça tout de suite là-bas. Qui es-tu? M'entends-tu? Que veux-tu? Ouvrir l'astronaire. Non, non, pas ça. Je peux pas interagir ici. Et c'était quoi ça? Récupération, non. Je pensais qu'il y aurait eu quelque chose dans le parage, mais... En tout cas, ici, on a de l'argile à gogo, hein. En surface. J'étais à la lumière. Je peux le rallumer aussi. Donc la maison, je sais même plus où elle est. Et bah voilà. Je viens de me perdre, les amis. Alors je suis trop éloigné. Je me suis trop éloigné. Ça m'apprendra. J'avais vu la grotte là, donc ça doit être par là sûrement. Ouais, c'est par ici. Je me suis trop éloigné, je vois plus mon point. C'est par ici, c'est bien ça. Sauf que j'ai pas mis de balise pour la maison. Donc forcément, elle est là la balise. Donc à partir d'ici, je ne vois plus rien. Je vois plus la maison, je veux dire. Parce que là, je peux plus m'éloigner tellement en fait. De là, je peux. Donc ça veut dire, on voit la balise en face, mais je vois plus la balise si je m'avance encore. Ça veut dire que là, je suis à l'opposé de là où je devrais pas être. On va ouvrir d'abord son menu. C'est bien. De prendre cette balise, on va la poser. Voilà, on va changer la couleur. On va la mettre orange ou bleu. Rouge. Rose. Voilà. Et on va aller continuer. J'espère pouvoir le voir encore plus loin que l'autre. Que je ne voyais plus. Ah, je me méfie des trous. Donc là, redemi-tour, hein. Chose qui arrive. C'est la batterie qui va faire des siennes. Alors, est-ce qu'à partir d'ici, je vais voir... Yes, la balise. On la voit même très bien. Alors j'avais vu une montagne. Je sais plus si c'est à gauche ou à droite. Je cherche en fait les choses. Je sais que dans les montagnes, des fois il y a du graphite. Très rare. Je crois que c'est ici qu'on s'est abandonné et que je voyais plus mon truc là-bas. Ah, les nuages aussi peuvent recouvrir le truc. Ah, dommage. Qu'est-ce qu'il y aurait ici d'intéressant? Trompette, on a, ça on a. Un éclairage, on en a plein à maison. Pas très utile en fait. Non, pas très utile. Peut-être le klaxon, mais le klaxon, je... Voilà. J'ai rien fait et tout est... Tout s'est dissipé par terre. Sans aucune raison. Je sais pas si je peux collecter quelque chose de dessus. Ce n'est pas grave, tant pis. Bah, vous voyez comme quoi je m'éloigne trop, je vois plus rien du coup. Et si je continue tout droit, est-ce que je vais revenir à mon point de départ à la maison? Ah, ah, bonne question, hein. Bon, je vais revenir un petit peu avant, j'avais vu des montagnes. Dans les montagnes, souvent, il y a des...
et des minerais assez rares dans, enfin je dis dans, sur ou dans les montagnes. C'est à gauche. Alors, les montagnes ont disparu. Oh, une lumière, là, voilà la lumière, c'est une de mission principale. Oh, tout ce composite, je peux pas passer à côté. Je peux pas passer à côté de ça. Regardez ça. Oh. Il y en a tellement par terre. On va s'approcher un petit peu de son sac. Voilà. Je me méfie parce que ça se remplit très vite. Du coup après bah je suis biaise quoi. Composite, on a besoin beaucoup pour les rallonges ou bien encore des composants encore. Voilà, mon tracteur il est archi plat là. Ah, je peux pas faire autrement. Moi il me manque juste le graphite, ça c'est du composite. Et j'avais trouvé la lumière, donc la lumière. Pardon, excusez-moi, j'ai changé d'écran, c'est chiant ça dans Astrodia. J'ai pas le mode plein d'écran, c'est pas forcément bien. Ici je vois encore quelque chose, peut-être utile ou pas. Même si je croise un éolien ou un truc comme ça, c'est des débris. Ça je vois que c'était bien sûr, vous voyez très bien, un truc solaire, là, hein. Pas d'eau solaire. Alors voilà l'une des missions, je pense, principales du jeu, hein, la lumière. Qui était de retrouver cette lumière. Alors cette voiture n'est pas la mienne bien sûr, je vois beaucoup de choses autour. Je vais quand même descendre aller vérifier. Hein. C'est un débris, c'est un morceau de débris de voiture. Sert strictement à Cupwick. Ici. Klaxon. Il y a un sac à dos dans le sol, ouais vas-y. Mais c'est toujours les mêmes choses. Donc non, pas besoin. Je vois quelque chose là-bas, mais je vais perdre ma voiture. Je reprends ma voiture. Alors, le point rose, il est là. Entrer dans le véhicule, ok. Je vais aller voir là-bas, j'ai vu quelque chose de tourner. Alors je sais pas si c'est une éolienne. Mais si c'est une éolienne, je prends. Yes, une mini éolienne, regardez. J'espère qu'il fonctionne. C'est de l'énergie. Est-ce qu'elle fonctionne? Petite éolienne, et oui elle fonctionne. C'est impeccable. Je vais prendre celui-ci. Pardon, excusez-moi. Et voilà, j'ai deux éoliennes. Double énergie pour mon véhicule. Qu'est-ce que je disais? Les montagnes, les montagnes. Il y en a plein de montagnes dans le coin. Alors, le problème c'est que j'ai pas de balise fortuite. Est-ce que si je mets les deux éoliennes ça va recharger vous pensez? C'est là-bas c'est bon. Ça peut recharger hein. Allez, hop ça c'est bon. Est-ce que ça va vouloir recharger? Yes! Directement se charger. Et je scanne. Oh là 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 là. Mais ça sert en fait ce tracteur de folie. Hein. Bon, je le débranche parce qu'apparemment ça m'a pépon tout mon énergie. Je pourrais plus avancer. Au secours! Ah, je vais tout droit. C'est pas bon. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est d'aller directement là-bas.
pour voir ça. Parce que cette lumière là, c'est une des missions, comme je viens de le dire. Hein. C'est nécessaire de le faire. Nécessaire de le faire. C'est bon. La mise à jour a été acceptée. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ici? Rien du tout, à part cette saloperie là. On va détruire tout de suite pour pas pallier à des bêtises. Ça, du malachite. C'est du cuivre, je crois, ou quelque chose comme ça. Si je peux en avoir, moi je prends. Ils disent malachite. Pas tant que ça. Hein. Organique. Malachite. Il n'y a pas trop de malachite. Hein. Ouais, c'est fake. Ah bah voilà. Au moins on a du malachite, parce que ça, en fait il y a des quantités des fois déraisonnables. Région de montagne. Je ne vois pas comment je vais faire pour je sais même pas si ça s'active ça. Je sais pas du tout. Ça je peux le scanner et moi je glisse directement. Ouf. Ah, je peux le réactiver ça là-bas. Ou je suis passé à côté. Ah non, c'est le chapeau que j'ai enlevé. Ah oui. Et forcément, donc. Alors, je vois un tunnel. Qui mène nulle part. Bon, c'est un. Je suis déçu. Merci Laura. Merci d'avoir fait le nécessaire pour Facebook. YouTube, etc. Et là, on va se rentrer à sa maison. Mission principale, enfin, mission principale. Trouver la lumière. Prendre quelques XP quand même. Pour pas être venu dans le coin pour rien. Alors je suis ce truc là-bas, mais je suis pas obligé parce que... Oh, oh, oh. Ça peut... Il pourrait y avoir quelque chose ici. Creuser un peu. Il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant en tout cas. Alors quand que je vais partir en fusée, j'en sais rien du tout. Pour le moment, je suis bien. Ah bah voilà ce que je cherchais, au secours. Ouf, j'ai failli tomber dans... Non, il n'y avait pas un trou. Non, c'est bon. C'est ça que je cherchais justement, du graphite. Il n'y a plus de graphite. C'est juste quelques morceaux. C'est une blague. Le jeu. Je m'annonce s'il y a du graphite. Et il n'y a plus de graphite. Oh oui. Ça. Je peux pas passer à côté. TNT les amis, TNT. J'ai pas encore la poudre. Malheureusement, j'ai pas la poudre pour. Alors, j'essaye de comprendre pourquoi il m'a montré du graphite ici. Et j'en ai pas. Ah, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure en fait. Et là, je vois qu'il m'annonce rien du tout de bon. C'était juste une dose, en fait, une mini dose. On passe à côté.
Ah, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait plus de graphite que ça. Ouais. C'est mal parti pour le graphite, hein. Peut-être que je suis dessus, hein, avec mon tracteur. Non, ça, j'ai pas vu. Plus non plus non plus. Ah, j'ai commencé à piocher un endroit où il n'y avait rien. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, comme on dit. Bon, bien sûr, j'essaye de en trouver, hein. C'est pas un défaut. Est-ce que je vais en trouver là-haut? Oula. Il y a du monde ici. J'essaie d'éviter ces bestioles. Graphite, s'il vous plaît. Organique. Y a rien dans cette montagne. Je pensais qu'il y aurait eu quelque chose, mais je vois que... Pouf! Qui aurait réussi à part ça. Ces bestioles là qu'on pourrait éliminer tout de suite. Je pensais qu'il y aurait eu quelque chose. Il y a des bestioles là pourtant. Oh, il y a une machine de guerre là-bas, regardez ça. On dit go. Si j'ai encore de la place bien sûr. Sinon bah. Ah bah je peux pas. Si ça je peux l'enlever. Ça j'en ai pas besoin. TNT je garde, hein. C'est priorité TNT. Hein. Priorité TNT et graphite. Donc ça veut dire que si je dois enlever du composite, j'enlève. J'hésiterai pas une seule seconde à enlever du graphite. Quitte à perdre du composite. En plus de ça, je vois. Oh là 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 là. Ce que je viens de voir. Ce que je viens de voir, les amis, c'est impeccable. Ça peut toujours servir. Ah, je peux pas le mettre sur moi, ça prend 2 ans ce placement. Aïe 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 gros caillou you you. Ah dommage. Dommage, 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 dommage. Bon. Est-ce que je vois encore ma balise? Ouais, je vois encore ma balise. Je vois encore ma balise, ça c'est impeccable. Qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Oh, y a trop de trucs. Je vois qu'il y a. Peut-être pas nécessaire, mais bon. Voilà. Ah, tellement de minerais. Regardez ça. Ça, c'est des résidus, j'en ai pas besoin. De la céramique. Ça, je peux encore en trouver. Une petite bonbonne. De l'omium, je peux en trouver encore assez facilement aussi. Oh, ça, par contre. C'est pas tout le temps. Ça pareil, dommage parce que j'ai pas les... J'ai pas ce qu'il me faut. Je prends quand même. Je vais enlever quand même le caillou malheureusement. Je suis obligé de prendre en priorité l'électricité. L'éolienne. Les éoliennes. Tout ce qui est éolienne et électricité, c'est priorité aussi. Composite, on peut s'en débarrasser. J'en ai une tonne. On cherche toujours la priorité hein, sur certains objets. Si je peux trouver des trucs, moi, gigot comme on dit. Gigot. Rien à vue. Bon. Bon. Dommage, hein. Je perds un caillou. Wow, c'est pas grave, c'est de l'expérience. Après, je peux revenir ici. Je sais pas comment je vais faire, mais... Je pense y arriver. Demi-tour. Let's go. En plus, on a énergie non-stop. À fond. Oh ah, je vous l'ai dit, dès que je vois un éolienne. Hop. Non, pas ça. Hop. On va le poser là.
Et on va enlever un composite en trop. Foutre ici. Et j'ai dit priorité à absolument l'électricité, quoi. Yes, hors d'électricité, on va être bien. Hein. J'en ai déjà deux à maison d'éoliennes. Plus 3 sur mon cul là. Sur mes fesses. Oh, regardez ce que je trouve. En revenant sur mes pas. C'est génial. C'est génial ici. Mais je suis coincé du coup. Je me suis coincé. Parce que regardez, c'est plein de trous. Il y a des trous. Composite, je suis désolé. Composite. Ah, mes priorités absolues. Sur certains composants. Yes, regardez ça, bling, il dit bling. Plus de place, qui dit. Il est bien, lui. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il l'a jeté. Non, mais lâche ça. Ah, le jeu. J'aime bien l'écho. C'est bon, j'irai pas plus loin, les amis. Ouais, je sais, j'avais dit d'en prendre plusieurs, mais bon. Je commence à saturer, on va dire. J'ai dû passer sûrement de l'autre côté. Et ici, c'est pas forcément bon de passer, si. Je vais essayer de refaire un terre-plein. Alors, est-ce que j'ai mon truc sur moi? Oui ou non? Non. Non, 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 il doit être dessus. Il est là. TNT, tu te ranges. Ça, c'est pareil pour la résine. Au pire, la résine, ça se trouve encore assez facilement. Le composite. Pas le composite. Ah là 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 là. Je vais y arriver. Le graphite se trouve encore moins que le composite. Le composite se trouve encore bien. Je me tâte en fait. Après j'ai beaucoup de ça là qui ne sert à rien forcément. Moi ça me prend de la place. Donc allez hop, ça me fait de la place. Voilà. Donc on a deux places supplémentaires pour le graphite. Je vais en profiter, mais avant ça, il nous faut un terrain plat ici pour repartir sur de bonnes bases. Oula, non. Qu'est-ce qu'il me fait, malheureux? Voilà. Je vois rien du tout en fait. Je devrais dézoomer un petit peu. Dézoomer surtout, mettre la terre à plat. Oh, j'ai fait un cœur. Et là j'aplanis. Toute cette zone là. Voilà. Ça fait une belle zone pour rouler ça. Hein, oh, il y a du vent à donf. Regardez les éoliennes. Et tout le bordel. Ils sont en train de s'exciter les trucs. Donc ici, vu que j'ai un petit peu, on va dire, d'emplacement. Oh là là, l'excitation du jeu là. Oups. Je vais éviter de le perdre. Mais le jeu, s'il te plaît, mets-moi une belle image. Voilà. Bon, je suis plein, plein, plein. Ah là. Là, on est bien. Là, j'ai récupéré ce qu'il faut. Et ouais. J'en ai encore même là du composite. Vous voyez, comme quoi, je suis pas malheureux. Allez. On démarre les moteurs. Let's go. Ce qu'on a pu récupérer grâce au tracteur. Remercions le tracteur. Merci, le tracteur. On dirait un dessin animé pour enfants. Mais en fait, sur ce chemin, regardez tout le graphite que je suis en train de croiser.
Surtout tous les trous. Oups. Je suis en train de me mettre en PLS tout seul. J'évite de tomber. C'est surtout ça. le stress, un petit peu là. J'avoue, oh là 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 là, ouais, évitons tout cela. C'est là que j'ai perdu une remorque, non? Mes remorques suivent. C'est bon, on a retrouvé notre chemin. Tant mieux. Et on va à la Casbah. À la Makassa. Si le jeu veut bien laisser le tracteur droit, y a pas l'air. Moi je fonce. Hein. Oh là là là. Eh mais pourquoi tu vas là toi? Non. Non. Je suis coincé, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, d'accord, c'est la remorque de derrière qui bloquait. Cette remorque de la dissidence. Oh, c'est cool, c'est parce que dès qu'il y a un peu de vent, pouf, ça recharge aussi vite. Je vais toujours en laisser un de toute façon sur ce véhicule. Ça va pas trop vite, mais on est très bien avec ce véhicule. Parce qu'en plus, il nous recharge infiniment. L'énergie verte, hein. C'est impeccable l'énergie verte. Garons-nous ici. Voilà. Et voyons un petit peu ce qu'on peut faire à partir de maintenant. Faisons un petit peu le tour comme ça. Là je peux mettre déjà lui, Robert. Dans Robert. Ouais mais carrément. Je peux brancher mon tracteur dessus hein. Et même laisser les plaques que vous voyez là remplies sur mes plaques à moi. Mais j'avais ma mission à faire, je crois. Attendez, c'était là-bas au bout. Le bras automatique. J'avais du graphite, j'en ai, mais j'ai pas l'aluminium que je n'ai pas sur moi, donc forcément on l'a trouvé. L'aluminium, on en a. Ça, je vais me l'enlever parce que bah c'est pas forcément nécessaire de suite. Alors, c'était un aluminium. Alors, je sais pas si le bras est vraiment nécessaire. Peut-être que je perds mon temps, j'en sais foutre rien. Mais voilà quoi. Il m'en faudrait des comme ça tout le temps. Mais plein ici. Parce que j'ai quand même pas mal de trucs qui seraient nécessaires. Ça s'appelle comment ça? Une plateforme. S'il te plaît, note le moi. Moyenne A. Il faut de la résine. J'en ai trouvé deux. Je suis plein hein, pour pas changer ni pallier à tous mes envies. Forcément. Voilà. Je peux faire deux du coup. Deux petites plateformes pour l'électricité. Ça c'est quoi ça? Et renouveler après. Il m'en faut deux là. Non, il l'a pas renouvelé. Ah si, regardez, fallait directement dessus, il le refait. D'accord. Ça va assez vite, pourquoi? Pas parce que j'ai tellement d'électricité. Que c'est génialissime. C'est petit, mais très efficace. On va le mettre là. On va le mettre là. Hop. Le deuxième. On va le mettre en ligne comme ça, vous voyez. Comme ça, il y aura toujours de l'électricité. Lui, on va le brancher sur lui. Et lui, on va le brancher sur lui. Sur lui, allons, voyons. Et on va reprendre
ce que j'ai laissé un petit peu sur une machine. Là, mes éoliennes, il y en a une là, il y en a une là, je veux dire, il y a des éoliennes de partout dans mon truc. Ça, on va le reprendre, forcément, et on va le mettre là-bas. Là, les éoliennes. On peut en mettre deux par truc. Waouh, génial. Génial. Moi, tant que je trouve des éoliennes et des trucs dans le genre, moi je prends. J'ai la TNT, on pourra ouvrir un coffre et savoir ce qu'il y a dans les coffres. Et voilà, regardez ça. Il y aura toujours au moins une quantité d'énergie quelque part. Et elle est ici. Elle est ici. Bon, la salle de recherche, malheureusement, j'ai pas pu garder ce qu'il fallait. Ça, c'est cool. On a des choses. En fait, il y a une balise déjà de base. Je vais la laisser en fait, c'est pas bête. Cette balise là. Je vais même la mettre en hauteur, vous voyez. Ah, il veut pas. Je veux pas le poser dessus. Est-ce que je peux si je me recule un petit peu? Voilà, ça sera un petit peu en hauteur. Un petit peu, beaucoup même. Allez, s'il te plaît, mets-le là, voilà. Du coup, ça on peut laisser éclairer peut-être, hein, non? J'en ai tellement de ça. Pas vraiment nécessaire peut-être, je sais pas ce que vous en pensez de ça. Je le laisse allumer ou pas. J'en ai un sur moi, ça c'est sûr. Bon bah, on est bien installé là. Voilà. Pour cette grande abri du plastique. Mais il faudrait. C'est un. Une machine qui mélange les composants maintenant. Ça doit être là-dedans. Dans les préparations, je suppose. Bonbonne de ressources, bonbonne moyenne, bonbonne de gaz. Un capteur d'alimentation, stockage de batterie, un répéteur, de proximité, de compte, ok, des rallonges, des interrupteurs, des répartiteurs, ok, un générateur qu'on a, hein, qu'on peut utiliser, je sais même plus où il est, je l'ai oublié dans une grotte. Mon générateur est perdu dans une grotte. Oh non. Oh le sale. Oh non, je suis sale. Un silo de quoi? De stockage moyen? Siège de rover, de tracteur, de remorque, la caisse, un treuil. Finisher, puissance de forêt, Diamant. Propulseur, d'adrénaline. D'accord, pack de postage d'aiguillage, ça c'est pour le train. Je sais pas comment je vais le faire, mais il faudra que je le fasse. Dans les imprimantes, four de fusion, centrifugeage de terre, labo de chimie. Du tungstène, même des chimies. Sert à combiner les ressources atmosphériques et raffiner en ressources composites. Ah. J'ai pas le tungstène. Le problème, il est là. Salle de recherche, plateforme de requête, plateforme d'échange. Celle-là qu'il aurait fallu avoir aussi. Un grand broyeur. Nous, il faut un petit broyeur. Je sais pas encore le broyeur. Ça, c'est les plateaux. Grande plateforme incurvée. Mais c'est pas les plateformes qu'on a besoin, mais c'est pas grave. Hein. Les silos, je sais pas pourquoi. Buggy non plus, c'est pas ça que je recherche. Un abri. Un abri, c'est un peu comme celui-ci, vous voyez. Je vais pas le refaire parce que bah, ça me sert à rien du coup. Ça serait le coup d'avoir deux abris pour rien.
extra grand. Donc il doit avoir un broyeur extra petit. Ah! Mais il faut du fer. Convertir les objets broyables en résidus qui peuvent être échangés contre des ressources via la plateforme d'échange. Mais j'ai pas de fer. Un abri mobile, base spatiale portative. Les abris fournissent un point de sauvegarde de l'énergie et de l'oxygène. Ça, ça serait peut-être... impeccable. Par contre, le bras auto, bah, j'aimerais bien faire. Je sais pas comment ça va être au niveau de tout ça. Non, ça c'est le grand, c'est l'abri. Salle de recherche, c'est pas là. Malheureusement, j'ai une mission que j'avais fait. Faut que je valide. Qui est lumière lointaine. 500. À tour de bras, imprimer un bras, stocker une ressource grâce à un bras. Je crois que c'était dans la petite imprimante. Voilà. Le bras. Il lui faut, je pense, de l'énergie. Surtout, sur quoi ça se met? Ça se met sur un truc comme ça. What? What? Non mais... mais arrête de me donner, hein. Oh, c'est génial. Il m'a donné automatiquement ce que j'avais besoin. Je vais être un petit peu méticuleux là parce que c'est un peu le bazar, j'avoue. Il y a des trucs que j'ai pas forcément besoin. Et ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Toujours besoin de plus. Toujours de plus. Ça sent, ça... voilà, après, est-ce que je peux encore en faire des bras automatiques? J'en sais rien. Mais bon, bah, au moins on a essayé puis on a eu la mission, quoi. La mission, elle a été validée. Alors, on va voir quoi? Une grande plateforme étendue. Une grande plateforme étendue. Le schéma, plus. Voilà, là. Je sais pas du tout où le mettre. Grande plateforme étendue. Mais c'est quoi ce problème? Est-ce qu'il y a de l'électricité dessus? Forcément que oui, sinon ça serait trop facile. Se dire que c'est trop facile. Alors, je vais le poser, je vais l'ouvrir. Pas de choix. Pas vraiment en tout cas. Je pense que ça... c'est avec le bras que ça marche, non? À quoi il sert lui, franchement? Aïe. On va le mettre comme ça, droit devant les stockages. On va le verrouiller. On va le brancher. Voilà, il est branché. On va prendre ce bras, ce fameux bras, et on va mettre dessus. Et regardez. D'accord. Mais non, c'est pas ce que je voulais faire, l'ami. Je voulais que tu fasses l'inverse. D'accord. Il se fout pas de notre gueule, lui. Du tout. Bon, apparemment, si je lui mets des choses là-dessus, lui, il les récupère et il les met là-dessus. Ah! Sauf que lui, c'est là qu'il faut le mettre, ça. La terre. Par exemple, je lui pose ça.
D'accord. D'accord, 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 d'accord. Bon. Au moins, il m'a vidé ma terre. Ça marche que pour une machine. Apparemment, bon. Moi, je l'ai fait, quoi. Je veux dire, je vais pas... pas me renier là-dessus. Canément disponible. Est-ce que je peux acheter autre chose qu'un abri? Il serait plus grand. Un extracteur automatique. Extrait efficacement les ressources au fil du temps sans altérer le terrain. 7500. Punaise. Éolienne XL. C'est panneau solaire. Alors c'est the panneau solaire. Arche à capteur moyen. Arche à capteur XL. Oh les arches de Noé quoi. Un grand panneau capteur. Ouais, bon, 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 bon. J'ai pas tout ici, hein, normalement, j'ai pas tout pris. Ouais, si tu veux. Un module de forêt 2. Et moi j'ai le module de forêt 1, non? Ouais, il me faudrait le 2, voire le 3. Le 2 est à 2500. Et le 3, diamant. Il faut du diamant. Et lui, il faut du carbure de tungstène, j'ai pas. Feu d'artifice, j'ai pas. Petit appareil photo. Klaxon. Figure holographique. Ça, c'est pour moi pouvoir voler. Mais je vais prendre la TNT, les amis. Et on va aller voir s'il y a une valise dans, dans une cave. Dans une grotte. Gigot. Le sac, il est vide ou pas, mon sac? Forcément que non. Donc, je vais vider mon sac là-dessus, en fait. Pas le choix. Si je veux garder ceci. Allez, gigot. Alors je sais pas si c'est là ou par là ou quoi que ce soit. J'y vais dès que je trouve un coffre, je l'ouvre à la TNT. Non, je pense pas que ce soit là. C'était pas là. Bon. Là, je vois. On va essayer d'aller plutôt par là. Je vais pas que le tracteur si automatiquement comme ça je pourrais le remplir. Ouais, mais il est déjà plein. Est-ce que je peux poser des trucs là-dessus? Si je le prends avec moi par exemple. Ah, je peux pas le prendre. Je peux pas le prendre même s'il est cassé. Ah zut. Zut de flûte. Il y a des choses on peut pas prendre tout le temps. Ici il n'y avait rien là. Si. On va prendre ça, on va le mettre à la maison. Déjà. Ça nous fera de l'expérience en plus. Parce qu'il m'en faut tout le temps, 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 tout le temps. J'ai pas pu faire dehors caméra malheureusement, j'avais d'autres choses à fouetter. L'expression, hein, d'autres choses à faire. Dans la vraie vie, hein. Oui, c'est donc ça dont je parle, la vraie vie. C'est la bonne expérience. Il est loin le truc, hein. Non, ça devrait aller assez vite. Pourquoi il ne va pas assez vite? Pas grave, vous savez quoi? C'est pas si dérangeant que ça, à moins que lui. Ça reste le même. Et tant qu'il n'y a pas de vent en fait, bah ouais. C'est pas grave. C'est pas si grave. Moi j'y go. Ça prend de l'expérience en plus. 1922. 1922, on revient vite loin en arrière. Hein. Incroyable. Hein. Mais non, je suis revenu là, moi. Oh là là, kebabage des plages. Je me suis trompé de chemin.
Mais j'en avais vu sur le chemin. Bon bah j'ai pas d'XP dans le coin, hein. Dommage. Si là, regardez ça. Coup de klaxon du voisin. C'est gratuit. Alors j'espère un jour retrouver mon générateur. Ce générateur a été tellement attendu que je l'ai même perdu. Ah, c'est pas Minecraft, hein. On peut pas sauter et puis aller plus vite. Ça je crois qu'en plus ils l'ont enlevé. Ouais, ils ont fait beaucoup de choses que je regrette de Minecraft et que... Ouais. Apparemment c'était pas ici. Qui a-t-il qui pourrait m'aider ici? Expérience. Je prends, le reste je m'en fous, on va dire. Oh, ça m'a fait peur ce truc là, c'était un caillou. Donc, bah on va passer comme ça. Puis on verra bien si je trouve une crevasse correcte. Je sais pas, je vois pas. Après, je peux creuser moi-même. Hein. Peut-être qu'il y a des choses là-dedans. Encore de l'expérience là. On pourrait se le prendre et y aller directement à la maison. Donc apparemment c'était pas ici non plus. Hein. Je me suis encore trompé. C'était pas cette route. C'en est une autre. C'est pas grave, je récupère des choses en même temps. C'est bien. Je perds pas la main de ce côté-là. Ah, si je suis ce chemin-là, regardez ce qu'il y a à côté là. Avec ma voiture, je pourrais peut-être la recharger. Je suis pas venu pour rien. Est-ce que je vais y arriver? Sans oxygène et jusque là-bas. En coupant. Je coupe à travers. Tant pis. Je prends le risque. Je prends des risques de fou. Allez. 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 Je vais couper par ici, à droite. Bon, ça va, c'est nickel. J'arrive pile poil. Ah, il a plus de plateforme, lui, c'est vrai. Masse. Alors ça, je vais l'enlever. Je vais mettre ça à la place. Non. Voilà. Ça serait plus dans ce style-là en fait. Non. Alors j'avais dit de prendre la voiture et j'ai trouvé quelque chose sur cette route, pas ici. Je vais faire tout de suite mon véhicule. Il est où mon véhicule? Là où il y a les éoliennes, les petites éoliennes. Toujours à l'opposé, mon véhicule. Hein. Ah ouais, c'est moi ça. Je vais voir si je peux recharger le truc là-bas. Si je peux prendre plus d'XP, je prends. Super. C'était le tour de la montagne et c'est sur la droite. C'était pas celui-là. C'était pas là. Oh, regardez juste à côté ce qu'il y a. Des fois je me trompe et je trouve des trucs. Ah bah si ça se passe comme ça, moi je continue cette aventure dans ce sort-là. Hein, dans ce sort-là. Ah, il faut s'écarter peut-être. Pour éviter les catastrophes. Ah. Et non.
Elle allume le petit. Oh là là. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur, mesdames et messieurs? Des puces. Des puces électriques. Des puces exo. Très 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 utile. Très utile. Oh. Les puces exo, c'est surtout pour les appareils électriques qui ont besoin de mémoire, on va dire. C'est un peu comme les puces, les cartes mères, les puces qu'on a dans l'ordinateur. C'était bien par là en fait. C'était par. Pff, je sais plus. Les puces exo, très nécessaires. Pourquoi déjà? Je sais même plus. Descends de ce véhicule, s'il te plaît. Merci. Les puces exo. Poudre d'explosifs. Module large. Élargit la déformation de l'outil de terrain. Ah, d'accord. Ah, élargit. Au secours. Ah mince, je l'avais élargi. Module large, élargit les déformations de l'outil de terrain. Attache-le à l'outil de terrain pour l'activer. D'accord. Module étroit, réduit la déformation de l'outil de terrain. Attache-le à l'outil de terrain pour l'activer. D'accord. Inhibiteur, permet de collecter des ressources tout en empêchant la déformation du terrain. Ça, franchement, ouais. Je dis ouais. Calque la déformation du terrain sur la courbure de la planète. Attache-le à l'outil de terrain pour l'activer. Oh là 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 là. En attendant, est-ce que j'ai du zinc? C'est le problème, c'est ça après, tu vois. Tu me prends pas ça, hein. Attendez. Tu me donnes le zinc. Tu te le mets où, là où je pense, parce que ça, ça reste avec moi, le zinc. Et là, ça, je vais le renclencher, du coup. Fous-toi pas de moi, mon gars. La blague, hein. C'est quand même bizarre, je vais à 24, je vais pas plus haut, pas plus loin. Qui pourtant je pourrais aller plus vite, plus haut, plus loin. Mais je sais pas, ça veut pas. Bizarre quand même. C'est bizarre. Du zinc. Du zinc. J'en ai besoin pour quoi, le zinc? Module d'alignement. Ouais. J'essaie de comprendre. Attendez, je cours pas trop vite. Calque des déformations du terrain sur la courbure de la planète. Attache-le à l'outil de terrain pour l'activer. La courbure de la planète. Ça, j'en ai pas. Hein. J'ai le premier, je crois. C'est un accessoire booster. Augmente la vitesse de déformation. Attache-le à l'outil de terrain pour l'activer, d'accord. Élargit la déformation de l'outil de terrain, ouais. Parce que, en fait, l'outil de terrain, il a trois emplacements. Ça, je l'ai pas, de toute façon, ça, c'est mort. Non, 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 tu descends. Large, étroit, inhibiteur. On va essayer d'empêcher la déformation du terrain. Et je sais pas s'il faut le faire sur soi. Je vais regarder ça. Petite imprimante, bâton lumineux, dynamite, module de forêt.
inhibiteur. L'inhibiteur, c'est celui-là. Qu'on va mettre à la place de ça. Voilà. Normalement. Voilà à quoi ça sert. Voilà à quoi ça sert. Ça empêche que j'abîme le terrain. Donc je peux prendre des récoltes, par exemple ça là-bas, sans forcément faire un trou comme ça. Ça sera impeccable. Et je peux l'enlever et refaire des trous, bien sûr. Ça, je peux faire des trous. Ça, les trous, ça me connaît. Il y a des conneries aussi. Ouais. Ça, très nécessaire, mais je sais pas. Je sais plus à quoi ça va être nécessaire. Ça, c'est dommage. Surtout que là, j'en avais vraiment besoin. Alors, puce exo. Attendez. Ah, je peux faire. Il faut une puce exo pour faire quoi? Un petit appareil photo. Il me faut 2500 par contre. Ouais, ça c'est. Mais l'appareil photo, peut-être pas nécessaire non plus. Faut voir les choses comme ça. Analyseur de terrain. Détecte et isole les couleurs du terrain. Attache-le à l'outil de terrain pour l'activer. D'accord. Scanner de sonde, serre-toi-en dans un emplacement auxiliaire pour localiser les sondes manquantes. Ah. Essaye. Allez, si on a tout sauf le projecteur. Ici, oxygénérateur portable. Je ne peux pas encore non plus. L'emballeur, je sais même pas comment on le fait. Bref. Comme vous savez, j'essaye de chercher des choses, hein. Mais c'est pas constant plateforme et câble connecté. Fourni à flux, ouais, mais c'est pour. Ouais, c'est pour. Ouais. Moyen, moyen. Fer, j'ai pas de toute façon. Silicone et graphène, vous avez vu, graphène. Je sais même pas c'est quoi. Du graphène. Bon, automatique, on a vu c'était quoi. Ça, c'est cool. C'est, ça, c'est une bonbonne de ressources moyennes. Alors, c'est une bonbonne de ressources. C'est-à-dire que les ressources. Je pense que c'est plus un outil de coffrage, un peu pour tout ça là qu'on voit là. Et j'espère que c'est ça, parce que si je le prends, j'ai pas de plastique. Ah zut. Silicone, bonbonne de gaz moyenne. Ah. Active les objets ciblés en fonction des variations d'alimentation. Répéteur de boutons, répéteur de proximité, de retard, de compte. Rallonge, interrupteur, répartiteur. Générateur, on l'avait déjà fait. Une batterie. Objet de stockage, c'est du lithium que j'ai pas encore trouvé non plus. GTR. Et le lithium est très très rare, les amis, très très rare. Tellement rare, le lithium, c'est incroyable. Incroyable. Titane. De la céramique, stockage élevé. En céramique, stockage élevé. Module de stockage moyenne, polyvalent, connexion à une plateforme stable recommandée. D'accord, siège rover, ça c'est pour les véhicules. Finisseur, monte-les sur un rover pour créer des routes partout où elles sont nécessaires. Une bonbonne de sol. Oh, ça m'a l'air d'être cool ça. Ça m'a l'air d'être cool. Fournit un propulseur consommable avec une capacité de 4 d'emplacement. Par contre, ouais, je sais pas comment. Excusez-moi, mais comment on utilise ceci? Attendez, c'est lui.
Aucun événement disponible inactif. Je peux pas l'activer. Comment je l'active? Est-ce qu'il faut créer une fusée? C'est-à-dire qu'il faut toutes les pièces de fusée? Propulseur de carburant solide, d'accord, aluminium et omnium. Mais voilà. Gare ferroviaire. Plateforme extra grande. Ouais. Stockage extra grand. Coût 2000, mais il faut du fer et tout, et tout, et tout. Bon. Dommage, je sais pas comment on fait une fusée. Alors c'est quoi la plateforme à moi là? Alors une fusée spéciale utilisée pour échanger les objets nécessaires à l'équipement et aux personnalisations exo lors de certaines périodes. Il me faut une fusée, c'est bien ce que je disais. Donc pour la fusée. La fusée. On va s'y mettre sur la fusée. La propulsion, capacité de lancement 4. Il faut l'aluminium, l'omium. Omium. L'autre, il est plus cher par contre. Bon. Il me le fallait de toute façon, j'ai pas le choix. Et c'est où que ça se fait du coup? Ça s'imprime où cela? Je pense pas que c'est là. Si. Automatique. Rallonge, répétiteur, solaire moyen. Tracteur, remorque, propulseur. Ah! Propulseur à carburant. Aluminium et omnium. Omnium. L'omnium, c'est ça? Yes. Et de l'aluminium, que j'ai plus de place. Ça du coup, là. Et hop. Là normalement. Let's go. Moi j'ai ça. Ah, je sais pas du tout si ça se met là-bas. Je vais déployer là. Non, c'est pas ça. Comment on fait? Allumer, fournir une propulsion consommable avec une capacité. Bon, bon, moi je l'ai quoi. Je veux dire, c'est pas... bon. Bon. Moi j'ai un propulseur. Ça m'a pas coûté grand chose, mais à voir avec le temps. Tu vois les quêtes et les missions sont où? Quêtes et missions, merci. Imprime et remplit une bonbonne de ressources moyennes. C'est tout ce qu'on a déjà fait. Débloque et imprime un emballeur. Je sais pas comment on l'utilise lui. Imprime une petite navette. Imprime un oxygénateur et installe-le dans la navette. Imprime et relie à un propulseur à carburant solide. Ah, ça je l'ai. Imprime et relie à un propulseur à carburant solide. Donc il faut un propulseur. Imprime et relie à carburateur solide. Donc tout ça en fait c'est la fusée, je pense.
Rends-toi à Désolo ou Calidor pour localiser. Ah, bah c'est là qu'on va trouver le tungstène. D'accord. Pour fabriquer des batteries plus grandes, il faudra du lithium en provenance de. Ah ouais, mais c'est dans les autres mondes, d'accord. J'avais beau à. D'accord, donc il me faut vraiment ces détails-là. Vers une destination inconnue, imprime une petite navette. Donc il faut la petite navette. Allez où cette petite navette? C'est ça, hein, vous voyez, comme quoi je bien fait bien de vérifier. Petite navette. Sphère créative. Récréatif. Ah, ça c'est des locomotives. Ça, c'est là. Buggy, petit siège, rover. Ah! Décollage à la verticale. C'est un aéronef de reconnaissance capable de décoller et d'atterrir à la verticale. D'accord. Stockage, grand silo de stockage. Ça, on s'en fout, c'est les stockages. Ça, c'est des plateformes, hein. Est-ce que ça serait pas plus là, par hasard? Rover, atterrissage. Petite navette! De l'aluminium! Et à côté, c'est une navette moyenne. C'était quoi qu'il demandait alors? Une petite navette. Bon. Petite navette veut dire peut-être que. Non, ça, tu reverrouilles s'il te plaît. Ça, tu me le mets là. Alors, petite navette. Faut peut-être le mettre là. Non plus. C'est toujours dans la petite imprimante. Elle est très serviable, cette petite imprimante. Encore de l'aluminium, dis donc. Pas sûr d'en avoir tout le temps, hein. Bah, il est où? C'est pas là quand même. Petite impression, rallonge, finalement. Non. Peut-être dans la grande. Petite navette. Petite navette. Mais le. Mais j'ai deux. Petite navette. Toi. Ça. Ça c'est une petite. Mais de où t'as vu ça toi, de mettre un truc aussi grand? Petite navette. C'est du zinc. What? Je sais pas si vous l'avez vu, mais la petite navette va pas être si petite que ça. De l'aluminium, forcément, j'en ai plus, je pense. J'ai du zinc. Je vois que c'est plus tellement gris clair. Carbone, carbone, forcément, j'ai plus. Aluminium, peut-être là-bas. Ah, aluminium, j'en ai un. Combien qu'il faut pour faire un alu là-dedans? Aluminium. Omnium. Omnium, graphite, quartz, argile, organique, résine, composite, omnium, graphite, y a pas d'aluminium, faut aller le chercher. Et forcément, chercher veut dire aller dans les grottes. Dommage. Ah bah si, regardez ça. J'en avais encore. Bon, j'en ai plus beaucoup, faudra que je recherche après de l'aluminium, donc du coup. Donc, faut que je me reconcentre bien sûr sur ce qui est dans le nécessaire. C'est parti. Imprimons. Il va pas tout être tout à fait droit. Je pense que vous l'avez compris qu'il commence déjà à imprimer les pieds. Ça imprime encore assez vite, hein. On va sauvegarder, bien sûr, puis là il s'ouvre, il se ferme le pauvre. Sauvegarde en cours. Et on va boire un coup. Ah. Oh là là, la petite fusée, la petite navette quoi. Ouais. Je crois qu'il va être nécessaire de faire un terrain plat.
Et vis ça même. C'est comment déjà? C'est contrôle hein. Attendez, ah oui, j'ai compris pourquoi. Que je peux pas. J'ai ce truc là qui remet son ordre. C'est bon. Donc, du coup, maintenant je peux. Non, s'il te plaît, allons. Ouais, c'est pas top hein. J'accorde que c'est pas top hein. J'essaye hein. C'est pas droit hein. Purée. C'est chaud de faire rater un plan en fait. Faudrait le prendre de là, ici. Vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à la maison. C'est pas la même hauteur, apparemment. Là c'est mieux, je l'ai pris par rapport à la maison, mais lui il s'est détaché du coup. Absolument. C'est absolument ça. Il faut pas qu'il se détache. Il faut que ce soit plat, j'essaye. Hein. J'ai plus de terre. Fallait que ça arrive. Bon, après là c'est une belle plateforme. Hein. On va déployer là. Vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a du monde? Levez les bras. Il n'y a personne. J'ai plus de terre. J'ai plus de terre. J'ai plus de terre. Chercher de la terre. On va creuser là-bas. Casse la forêt. Je crois qu'il est plein. Je retourne là-bas. Je veux que tout le tour de la maison soit impeccable quand même parce que bah, voilà quoi, c'est là où je vais vivre. Je comprends Billy. Et voilà. J'ai fait une déformation sans le vouloir. J'agrandis. Bon, ça prend tout mon énergie, forcément. Mais voilà, regardez ça quoi. Let's go! Oh. Ah bah oui! Entrée! À entrée, je vais m'étouffer. Il a un oxygénérateur ou pas? Il en a pas. Hein. Lancé en orbite. Carburant de lancement 0. Je pense que c'est là-dessous qu'il faudra mettre cette fusée. Donc là, on a imprimé quelque chose.
qui était nécessaire à la mission. Incroyable, tout a été déchargé à une folie. Imprimer une petite navette. Après, je l'ai. Je l'avais même planqué, je me suis dit je vais l'utiliser peut-être plus tard. Il est là, ça là. Oh, comment qu'il fait pour porter ça, quoi. Ben voilà. Un oxygénérateur. Je vois un truc à l'intérieur, je vois... Ouais, je vois... Carburant 100%, lancement 4. D'accord. Je peux faire 4 lancements. Alors, de l'oxygène. Donc il nous faut cette bonbonne là, vous voyez, cette bonbonne qui est ici. Oxygénérateur, sinon j'ai pas d'oxygène dans le ciel. Et il faut la primer. Donc, je sais plus si c'est là. Je sais plus. Salle. Sorte de four de fusion, imprimante, buggy, grande plateforme, plateforme de requête exo, salle de recherche, usage de terre, four, impression, buggy, non, c'est pas là non plus. C'est sur moi? C'est complètement con. Pourquoi ça s'est tombé tout seul comme une comme un coca? Dynamite, bâton lumineux, petite imprimante, rallonge. C'est pas le filtre à oxygène, balise, éclairage. Oh là 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 là. Moi je pensais que c'était dans le petit. Éclairage, dynamite, imprimante, ah, oxygénérateur, le v'là. Faut de l'aluminium et de la céramique. Je l'avais dit tout à l'heure, l'aluminium, j'en ai plus du tout. Céramique, j'en ai plein. Ça. J'ai. Peut-être que sur moi, j'aurai de l'aluminium. Du cuivre. Eh ben non. Et j'ai plein de trucs comme ça qui ne servent à rien. Peut-être servira quand même à quelque chose. Je dis des bêtises. Éteindre aussi. Aluminium, zinc, zinc. Zinc, ouais, du zinc, du malachite. Je crois que c'est ça le malachite. Non, aluminium c'est rose. Le malachite c'est pour autre chose. Je crois que c'est du cuivre. Ah, c'est le même. C'est du cuivre. À base de malachite, c'est ça. C'est du malachite raffiné en fait. Ça c'est l'imprimante. Qu'est-ce que je mets ça là moi? C'est là le four de fusion. Voilà. Four de fusion. Aussi j'en ai pas mal. Carbone, ça c'était pour le générateur, mais apparemment je l'ai perdu. Je sais plus du comment, du pourquoi je l'ai mis où, mais c'est pas grave, on va le retrouver hein. Sauf que je suis plein, je dégueule de conneries. Je suis extrêmement plein, c'est plutôt gênant. On peut pas le détruire, ça c'est dommage. J'en ai pas besoin. Allez, mets-toi là-bas. Oh là 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 là, le jeu. Ils sont tous pas pleins en fait, hein. Je peux les remplir. Quoi,
correctement. Sac à dos. Ouais, j'ai pas beaucoup d'emplacement. Pas beaucoup, pas beaucoup. Allez, on va prendre sa bagnole et puis on va aller chercher de l'aluminium en quantité parce qu'apparemment maintenant c'est l'aluminium qui est en manque. Ça part tellement vite. Hop. Let's go. Sur cette route qui mène. On sait pas où. Juste là. À côté de chez moi. Parce que c'était là qu'il fallait aller. Mesdames et messieurs, roulement de tambour. J'ai tellement de trucs, j'hallucine quoi. Allez, on va savoir si c'est là l'aluminium. Je pense que oui. On a fait un sacré bout de chemin dans le jeu. Ça paraît pas. Je surveille l'heure pour savoir aussi, parce que vous voyez que je tourne ma tête, mais c'est surtout pour savoir si je suis dans la bonne quantité raisonnable de vidéos pour vous les amis. Sur YouTube, retour YouTube, commentez, likez, hein, n'hésitez pas. Et abonnez-vous, ça c'est du quartz en fait, c'est pas forcément de l'aluminium. Donc on passe notre chemin. Je pense qu'on va en avoir besoin. Ça, ça peut être. Ça peut être de la terrible. Pour l'aluminium. Ah oui, mon énergie. Ah bah oui, forcément. Alors, je vais allumer ma petite piote. Je peux pas l'allumer? Comment je fais pour l'allumer déjà, ça? Non, non. B, N, B, N. V, ah! Donc, je peux creuser, hein. Littéralement, je peux creuser, mais j'ai pas envie. Ah, ça a quand même récupéré. Voilà, je suis plein. J'en ai 5 aluminium. Ça devrait être nécessaire à ce que je puisse reprendre aussi au passage ceci dans mes mains. Pour que je puisse revenir chez moi. Alors oui, il y a plein d'emplacements, il y a plein de sorties. Forcément. Je peux monter et descendre de partout ici. Ici c'est la grotte principale. J'ai pas trouvé tout à l'heure, je me suis tapé la honte à aller n'importe où. Alors que c'était juste à côté de chez moi. À côté. Ah bah voilà. Demi-tour. Attendez, je vais faire demi-tour convenablement. Ah ça change de... Je suis désolé. J'ai fait quelque chose de particulier, les amis. Parce que j'ai l'écran juste à côté, j'ai un deuxième écran et forcément, oui, ça impacte. Oula. Alors, la four de fusion est à droite, à gauche. Voilà. Le four de fusion, s'il te plaît, prends tout ceci. Voilà. On va essayer de ranger. Essayez de ranger. C'est une parole comme une autre. Hein. Essayez de ranger, vous. Faut des plateformes pour ça comme lui. On va avoir un stockage visible. Parce que là il est pas plat en fait. Ouais. C'est chaud hein, c'est chaud. C'est chaud d'avoir quelque chose que j'ai besoin en fait. C'est le bazar, hein. Je l'accorde. Parce
que ça, je peux l'enlever et le mettre là par exemple. Ouais, ça serait peut-être mieux parce que ça m'économise une plateforme. En fait, je pense que je vais faire ça. Si je peux économiser un petit peu de place, je vais pas hésiter. Tac, tac, yes. Ça fonctionne quand même, vous voyez. Et puis j'ai économisé quand même une plateforme que je vais prendre, débrancher bien sûr, et utiliser ceci pour un stockage. Comme lui par exemple, dessus, allez hop. Et on va le déployer, il sera plat comme ça. Développer, yes. Non mais tu restes dessus. Non mais c'est quoi cette crise là que tu me fais? On va le mettre là du coup. J'ai pas besoin d'électricité donc j'ai pas forcément besoin de le bouger. Je le verrouille. L'emplacement de stockage réussi avec succès. Lui c'est pareil. Lui on va le déverrouiller. J'ai pas besoin de le brancher. Voilà. Le spot, franchement, il y a des trucs que je prends alors que c'est vraiment pas nécessaire du tout. Ouais, mais vraiment pas quoi. Allez, on va faire son oxygénérateur. C'est bien de faire, de parler, mais de dire et de faire d'autres choses. C'est une histoire dans l'histoire de l'histoire. Alors, est-ce que j'ai réussi à faire dans le four à fusion ce que j'avais besoin? L'aluminium. J'ai forcément pas la place. Attendez. On va essayer. Faire ceci pour cela. Voilà. On ne dira plus à vous êtes en moins. Ah, et pépon, d'accord, l'énergie là-dessus. D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, bah, t'auras de l'aluminium, tiens. Oui, vas-y, fais un oxygénérateur. Il en avait besoin, bah, vas-y. Bon, quelle planète choisir, ça j'en sais rien du tout. Ça sera pour une prochaine mission je pense, parce que là déjà il y a 1h45 de vidéo. Je vais pas les faire trop longues hein. Vous savez très bien que... Elle est où ma fusée? Elle est là-bas. Voilà. Je vais courir, j'irai peut-être plus vite, ce sera mieux. Et là, on va mettre cet oxygénérateur. On va développer déjà. Est-ce qu'on peut... Ouais. Là, on va l'ouvrir. Clang, clang, clang. Et voilà. On pourra respirer dans l'espace. Lancer en orbite, lancer vers une autre planète. On peut éventuellement sortir déjà. Et mettre ceci que j'avais complètement zappé. J'étais concentré à faire ce que je devais faire. Là, c'est là. Alors, mesdames et messieurs, au niveau de j'ai plus du tout. Ça va me coûter cher parce que j'ai encore plein de trucs à faire. Forcément, ça c'est la grande navette. Ça c'est pour aller plus loin dans l'espace, je suppose. J'ai les puces. J'ai pas l'alliage en titane. Je m'étends parce que je. Ouais. La fatigue me prend le dessus. Des plateaux, j'en aurais encore besoin, mais de pas mal pour moi. J'aimerais bien avoir des plateaux de stockage un peu plus grandes. Genre celle-ci. Plateforme de figure. Non. Stockage extra grand, ça serait mais vraiment admirable d'avoir. Stockage, grande plateforme. Est-ce qu'il y a du stockage là-dedans? Non.
Bonbonne de ressources. Alors, elle me demandait tout à l'heure une bonbonne. J'ai pas compris du comment, du pourquoi. Mais ah, ça, le GT, attendez. Imprime une petite navette, imprime un oxygénateur et installe-le dans une navette. Imprime et relie un carburateur. Voilà, ça s'est fait exploit. J'ai un mini GTR encore mini, donc de l'électricité, je vais gagner un abri mobile que je pourrais mettre sur une autre planète et un propulseur à carburant solide 2 E1. Je vais pas le déployer maintenant en fait. Vers une destination inconnue. Une puce exo x3. 3, trouver et explorer une cache. Yes! En plus d'en avoir trouvé deux, j'en ai en plus. Oh, mais eh, fascinant. Fascinant ce jeu par moment. Terrarium doit être rempli avec des objets spécifiques avant de pouvoir servir. Mais je sais pas avec quoi. Ah, peut-être de la terre. Du carbone, peut-être. On peut mettre ça dessus, non? C'est pas ça? Non. Tu reviens là, s'il te plaît. Non, mais oh. De l'omium. Pas d'omium. Composite. Composite. Bah alors, qu'est-ce qu'il lui faut? Des ressources naturelles, peut-être. Ça. Non, pas le truc électrique. Il a pris carrément le truc. Ah non, il peut pas l'enlever. Bon. On va rechercher, du coup. Est-ce que j'en ai dans le coin? Traîne par terre. Là, ici, regardez ça. Est-ce que ça serait ça? Une ressource naturelle? Non. Doit être rempli avec des objets spécifiques. Ah! Est-ce qu'on a un menu qui nous explique? Madame Ciboulette, tout ça, madame originale, ça c'est mes amis. Aide rapide, planète, ressources, danger. Mission, fabrication, voie ferrée, automaton, automation. Ah, mais j'ai pas lu tout ça moi, bras automatique. Déplace les ressources et les petits objets entre les stockages et les modules. D'accord, si on a besoin. Ouais. Ça c'est une source lumineuse. On peut. Ah ouais, j'ai compris pourquoi la source lumineuse. Ça fait ouais, d'accord. Extracteur automatique, extrait automatiquement les dépôts de ressources naturelles. Ça, ça serait bien en fait, mais il coûte cher, je crois. Bonbonne. Stockage grande capacité pour les ressources. D'accord. Capteur. Active des éléments près et loin à chaque changement d'éléments surveillés. De l'élément surveillé. Ouais, capteur de mouvement. Active les éléments lorsque les objets traversent le champ du capteur. Et des répéteurs. Modifie les signaux d'activation, ajoute et des retards et des plus encore. D'accord, j'ai trouvé les aides. Énergie, motif créatif. Voir les modes créatifs. Énergie. Les énergies. Comptez les prises pour partager l'énergie entre les plateformes. Ouais, c'est pour relier ça. Voie ferrée, fabrication. Four de fusion. Condensateur atmosphérique. Ramasse des ressources atmosphériques à utiliser dans le labo de chimie. Oh mais c'est génial ça, le condensateur. Labo de chimie. Ça je l'ai pas encore. Mais il faut d'abord ça pour ça. Ah d'accord, il faut un condensateur atmosphérique. Condensateur atmosphérique, ça... Je savais pas. J'apprends. Je pense que c'est bien avant tout ça. Condensateur atmosphérique.
Non plus. Ça c'est tout ce qui est puissance, ouais. Package de postage d'aiguillage. Détecteur d'anomalie, ce qu'on avait vu, je crois. Sphère récréatif. Peut-être que c'est là-dedans en bas. Je sais pas, gare ferroviaire. Ou ici. Un overboard. Analyse de terrain. Scanner de sonde. Mais il y a tellement de choses, il y a trop de choses. Le problème, il est là. Ressources. Ça, c'est toutes les ressources qu'on peut trouver. Titanite. Oh mon dieu, ça, c'est quand on les transforme. De l'argon. Planète, base astronaire, construction de base. D'accord. Donc il y aura toujours des fabrications aussi à faire. Ensuite, centrifugeuse de terre, ça je l'ai. Broyeur, pas encore. Recycle les débris et les éléments superflus pour créer des résidus. Plateforme d'échange. Échange contre des ressources et des objets de valeur. Mais je sais pas comment faire le petit truc qu'il y a dessus. Ah, il faut peut-être des broyeurs. Ah ouais, il faut le recycleur. Ah, d'accord. Il faut ça, quoi. Bon. Automaton. C'est le truc automatique, en fait. L'extracteur automatique. Ça aussi qui coûte cher. Je sais même plus où il est. L'extracteur. C'est les modules, les accessoires, les boosters. Vous voyez, il y en a trop, en fait. Trop de trucs là-dedans, incroyable. Hein. Imprimante, oxygénateur, broyeur, abri. Ça, j'en aurais besoin, mais j'ai pas de fer. Automachin, je l'ai fait. Pas encore pour ça. Capteur. Répéteur de boutons. Eh ben, dis donc. Rallonge. Répéteur. Répartiteur, pardon. Ça, c'est les éoliennes. C'est les plateformes. Ça, c'est pas ça, siège. Ça, c'est pour les véhicules. Finisseur, puissance, propulseur d'hydradique, c'est pas encore là alors. Imprimante, four de fusion, labo de chimie, mais je peux pas non plus. Je sais pas ce qu'il faut. Condensateur atmosphérique, c'est celui-là, sert à récolter les ressources atmosphériques des planètes. Plastique, il faut du verre et du fer. Le verre et le fer, c'est pas ici que je vais le trouver, je pense. Salle de recherche, convertit les objets. Ça, je l'ai. Plateforme de... Une fusée spéciale utilisée pour échanger les objets nécessaires à l'équipement et aux personnalisations d'exo. Ouais, mais je l'ai pas. Ah, c'est pour les requêtes. Je me suis trompé. C'est celui-là qu'il fallait pour les échanges. J'ai pas de fer. D'accord, donc ça serait dans le troisième bouton. Grande plateforme dans l'éolienne. Bon, je crois que j'ai trouvé... Il faudra que je vais dans une autre planète. Ça sera peut-être pas pour cet épisode, les amis. Ça sera pour une autre épisode. Mais on a cherché quand même. Hein. On a vu, on a fait un petit peu le tour. Hein. Et ça, c'est excellent. On a du coup des puces exo. Je sais pas si je vais y arriver, si je vais sur une autre planète. Le problème, il est là, c'est que j'ai peut-être pas la ressource nécessaire. Parce que si j'ai pas de ressources et je pars sur une autre planète, comment je fais? Hein? J'ai pas de véhicule sur notre planète. Je vais me retrouver forcément à un moment donné sans rien. Parce que là-dessus, moi j'ai rien. C'est ça, j'ai extrêmement rien du tout. Et je sais même pas comment ça va se faire quand je vais arriver là-bas. Il faut que je vide forcément ce que j'ai sur moi. Hein, parce que sinon, c'est pas bien de partir les mains pleines. J'ai encore de la place, regardez ça. Hop. Four de fusion. Voilà, mon sac, il a encore des trucs. Ça, j'en ai besoin.
ça j'ai pas forcément besoin. Ce que j'aurais besoin surtout c'est les tuyaux pour moi respirer la barre. Et je suis bien. J'ai 6 emplacements, je peux pas prendre plus de trucs. Mais je peux aller sur une autre planète. Oh là 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 là. Le stress monte d'un cran. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que je sauvegarde? Ouais, je sauvegarde avant. Je sauvegarde, voilà. Et on s'en va vers d'autres cieux. Il m'a fusé. Est-ce qu'elle va décoller? Est-ce qu'elle va pas tout pousser n'importe où? Je vais le mettre un peu plus loin. Alors, lancer en orbite. Lancer vers une autre planète. Véhicule interplanétaire fourni de l'énergie et de l'oxygène nécessaire. Donc, il faut savoir sur quelle planète je vais partir. Mais par contre, pour savoir là où je dois aller, je vais chercher un petit peu les missions, vite fait. Parce que lui, il le dit, je crois, là où je dois aller. Ça, je peux... Ok. Wouah. Non mais oh. J'ai un GTR sur moi. Est-ce qu'il fonctionne sur moi, ce GTR? Source d'énergie durable qui ne nécessite aucune gestion de carburant, disponible en tant que récompense d'exodynamique ou plus rare dans les épaves. Donc ça veut dire que la batterie je peux l'enlever. Il me l'a piqué. Voleur. Ça c'est un GTR. Et c'est tant mieux. Tant mieux. Examination. Imprime et remplis une bonbonne de ressources moyennes. Ça c'est une mission. Je peux quand même continuer les missions, vous voyez. Débloque 100 schémas dans les catalogues. Oh là là. Récupération du prototype. Trouvez l'enregistreur des données de véhicule du désolo. Faites exploser l'enregistreur de données. Récupérez une puce exo. Il n'y a pas à valider les puces exo que j'ai récupérées. Ah ! Place à un abri sur une autre planète. Place une autre plateforme d'atterrissage sur une autre planète. D'accord, donc chaque planète où on va devoir visiter, il faudra poser quand même une plateforme pour pouvoir poser ses fesses, comme on dit. Alors pour avoir du tungstène, il me faut me rendre, rends-toi à Désolo ou Kalidor pour localiser du wolframite. D'accord. Et pour du lithium, il faut que je vais sur Vezona ou Vezana ou Novus. On va aller sur... On l'active. Vezona suit le statut mission d'entraînement d'exploration du journal. Ah, qui veut dire? Qui veut dire quoi? D'entraînement? Trouver des objets étranges intéressants. Ramasser la largueur. Range rapide. Il y a la roue aussi, ouais, que j'utilise quasiment pas. Il y a même la boussole, vous voyez. Utiliser la boussole pour suivre les repères importants. Ah, c'est pour ça, la dernière fois, je me suis perdu. J'aurais pu suivre... Non. Eh ben, voilà. J'ai trouvé un raccourci, les amis. D'accord. J'essaye de trouver des raccourcis, bien sûr. Non. Ça aussi fait partie des raccourcis. Clavier souris. Ça fait deux fois que je le fais, mais c'est pas grave. Il est où ce raccourci qu'on vient de voir? Bon. Ah mais ça serait au top ça, ça serait top niveau ça. Ce buggy là.
Je peux pas prendre de buggy là-haut. C'est, faut que je le reconstruise des buggy, des choses dans les autres planètes pour que je les ai. Je peux pas le transporter avec moi, c'est dommage. Ouais, j'aimerais bien savoir où est la boussole. Hello, bonjour Galactique, bienvenue à toi. Je suis à la recherche de petits raccourcis. Je pense que tu me vois galérer. La boussole, c'est Tab. C'est ce que je fais, Tab. Tab, ça me renvoie là-dessus. Tab, ouais, Tab. Après, c'est inversé sûrement mes touches. Hein. On peut voir ça pour les touches. Hein. La boussole, peut-être qu'on peut voir là-dedans, alors, du coup. Il me semble que quand on reste appuyé... Ah ? Non, non, c'est pareil. C'est vraiment le... Ah, c'est R. Pour moi, c'est R. R. Parce qu'en fait, je me suis perdu. Oui, oui, je me suis perdu. Et j'avais besoin de la boussole à un moment donné. C'est bon, j'ai retrouvé. Mais je te remercie. Mais moi, c'est inversé. Hein. Tout est inversé chez moi. Donc, forcément. Donc là, j'avais mis une boussole là-bas pour me repérer un petit peu. Je me suis perdu. Et en fait, plus que je m'éloignais, moi, je voyais ma boussole. Mais maintenant, je vais les voir, les boussoles. C'est R. Pas grave, il me semble appuyé. Bon. Du coup, t'es là que je devais arrêter. Je continue. Est-ce que tu veux que je continue? Je pense que oui. J'ai fait pas mal de choses. J'ai même fait ma fusée. Et je dois aller à Verzova ou Verzona pour aller chercher du lithium. C'était dans la pack de missions que j'avais vue. Et il demandait pour aller chercher du lithium. Alors. Voilà. Yeux rivés sur le lithium. Vesania ou Novus. Ensuite, il y avait un autre truc que je devais faire sur une autre planète. Wolf Rabbit pour avoir du tungstène, c'est ça. Il faut aller à Désolo ou Kalidor. Si je suis pas bête, bien sûr, forcément. Je lève mes mains par moment, je me dis, ouais. Lequel que je fais en premier? Est-ce que je vais chercher du tungstène qui est plus intéressant? Ou du lithium qui pourrait être nécessaire pour certaines ressources électriques, je pense. Des batteries plus grandes. Et le tungstène qui est ici. Raffine du tungstène à partir du Wolf Rabbit. Kalidor, c'est mieux car il y a du soleil. D'accord. Il me faudrait un abri. Pour là-bas. Est-ce que tu me conseilles un abri quand même? Parce que je vais changer de planète. J'ai de la plage, j'ai de l'emplacement. Je peux mettre des cubes. Et je pense qu'il m'en a donné un. Hein. Je pense. Attends. Est-ce que ça, c'est un abri mobile? Base spatiale portatif. Les abris fournissent un point de sauvegarde de l'énergie et de l'oxygène. Voilà. Ou si tu dois mettre une base, va sur Novus. Il me semble qu'il y a plein de gaz. Mais alors, tu me conseilles Kalidor ou Novus? Alors, je veux savoir pourquoi. Désolé. Alors, Kalidor, c'était pour le tungstène. Mais Novus, c'est pour le lithium. Alors, t'es lunatique, mon petit galactique. Ah, non, mais ça me fait rire. Alors, on prend le premier que t'as dit. On va d'abord. Moi, je vais prendre le premier que t'as dit. Hein. C'est pour faire des minerais raffinés. Oui, j'ai besoin du minerai raffiné parce qu'il me faut d'autres minerais. En fait, plus condensés. Donc j'ai besoin de l'appareil pour mélanger des ressources, pour en faire d'autres ressources. Parce que je les ai pas. Donc là, tu vas voir. C'est pour te faire des minerais. Donc... Il me semble qu'il y a des missions de train. Oui. Soit excuse parce que je vois pas tout le chat. Je remonte un petit peu. Donc. Novus. C'est parti pour Novus. Let's go. Novus. Ouais. Entrez. Alors, est-ce que je le lance sur orbite? Parce que j'ai jamais fait. C'est ma première fusée.
Qu'est-ce que tu me conseilles avant de partir? Je ne touche plus rien. Je lève les mains. Oh les mains, beau de lapin. La menace en maillot de bain. Vas-y, j'attends ta réponse. Qu'est-ce que je prends avant de partir? J'ai des tuyaux. J'en ai quelques-uns. Est-ce que je vais retrouver du composite là-bas? Pour moi faire des tuyaux. Fais le plat d'imprimante. Des petites ou des grandes? Le plat d'imprimante. Il faut une moyenne et une petite. D'accord. Allez. Imprimante. Ça c'est pour les grandes. Et là, imprimante. Ah c'est sur moi je pense qu'il faut faire. Imprimante moyenne, composite. Bah ça c'est pas ce qui manque hein. Composite, normalement je l'avais plein ma bagnole. Et let's go. Là. C'est bon, ça s'imprime, première imprimante. Ah, il faut une moyenne et une petite, d'accord. L'oxygénérateur, tu peux le la package. L'oxygénérateur, je peux la package. Ah oui, en parlant de package, je peux le faire moi-même, mais je sais pas comment. Propulseur à carburant. Non, ça, je vais le prendre sur moi, je vais le laisser. Alors, j'ai quoi sur moi? Un abri mobile et une imprimante. Je vais prendre la petite imprimante que je dois faire sur moi, je crois. Pile, petite batterie. Module 1, dynamite, bâton lumineux, petite imprimante. Il me faut aussi du composite. Je m'en rends de suite. Et que j'imprime. Là. Fais un module de stockage. D'accord. Oui, ça, je l'avais vu qu'il fallait faire ça. Module de stockage. Et bah, dis donc, on commence à se remplir. Un petit imprimante. Moyenne imprimante. Alors, module de stockage. Je vais pas trop de me répartir. Donc, on fait ça, module de stockage. Sur soi. Rallonge pédalin. Petite bonbonne. Non, je pense pas que c'est là. Module de stockage. Peut-être dans la. Centrifugeuse. Plateforme. Grande plateforme. Buggy, imprimante. Ah, j'ai appuyé trop vite. Module de stockage, je pense que c'est un plus petit. Dans la petite imprimante. Je l'ai peut-être pas débloqué. Hein. Stockage. Non, ça c'est la plateforme de stockage. Pas pareil, non? Attends, place. Le à la place de l'oxygénérateur. Dans ta fusée. Qu'est-ce que je dois placer le module de stockage? Je comprends pas. Si c'est la plateforme de stockage. Il faut de la résine. Plateforme de stockage, c'est ces trucs-là. Hein. Ce truc-là qui. Ouais. Stockage moyen. Ça oui. Bah je vais en faire un neuf, un tout neuf. Il me faut de la résine. J'en avais quelque part dans le coin. J'en ai plus sur moi. De la résine. Il y en a là, regardez ça. Déjà un. Alors ça c'est organique. Je pensais que c'était ça mais non. Là-bas il y en a plein. Résine. Allez s'il te plaît. Hop. Est-ce que j'en ai un ou deux? Voilà, résine. Ça c'est fait. Plateforme. C'était dans la petite imprimante. Il y a tellement de choses ici que je me mélange un peu les pattes. Mes patounes. C'est bon, regarde. Donc tu dis qu'il faut mettre dans la fusée à la place de l'oxygénérateur. Mais je vais plus avoir d'oxygène l'ami. Si j'enlève ça.
Comment je vais faire si je dois aller là-haut sans oxygène? Ah, ma plateforme, bah oui, ma plateforme elle en fait. Oui, l'oxygénateur sert à rien. Ah bah moi je l'ai fait quand même, le jeu le demandait. Ah les saligots, d'accord, ça sert à rien quoi. Punaise, je me suis fait rouler comme un noob. Je l'ai pas pris ce qu'il vient d'imprimer, hein, on est d'accord, hein, j'ai rien pris du tout. Si? Non, il est là. Bon. C'est dégueulasse. Après, je l'ai sur moi, donc il me reste. Alors. C'est bon, il est dedans. Stockage moyen. Oh, je peux le développer dedans? J'ai marqué ZD, pourquoi je... L'oxygénérateur sert juste à mettre des rallonges. Tu peux le mettre sur la plateforme quand il est en paquet. Donc là je le développe. Donc là je peux le mettre dessus. Donc il sera nécessaire de l'avoir de l'autre côté. Ah, je peux pas le pack. Ah oui, tu m'as fait dire de faire des trucs de package. Ah, je peux pas le mettre comme ça dedans. L'impacteur. Tu vas m'apprendre comment le manier l'impacteur. On avance. Enfin. Ah, j'ai fait déjà tout ça avant de te croiser, l'ami. L'impacteur. C'est où qu'on fait un impacteur? Est-ce que je l'ai déjà, l'impacteur? Je crois que c'est ici. Emballeur, tu veux dire. Pas l'impacteur. Oui, c'est avec du graphite. C'est ça. Je l'ai pas. Il me faut 1000. Comme par hasard, j'ai pas les ressources nécessaires. J'ai pas le pognon pour. C'est pas juste. On va aller chercher du pognon. Des octèdes. Il m'en faut pas beaucoup des octèdes. Je vais en trouver dans le coin, je pense. Je sais que je pouvais en avoir par-ci par-là. Est-ce que j'ai le nécessaire là? Toujours pas. Il m'en faut 1000. Fais le truc du petit alien. Avec le labo. Ah mais je vais pas trop me mélanger galactique. D'abord je vais prendre des trucs. Attends, 2 minutes. Hein. Précipite-toi pas. On fait une chose à la fois. Hein. Je sais pas comment qu'on fait le petit alien. Je sais qu'il donne beaucoup de points. Je vais mourir étouffé ici, moi. Ah, et puis il y a encore ces trucs là ici, ouais. Avec le labo. De quoi avec le labo? Tu m'intrigues. Mais arrête de glisser, toi. 1026, c'est bon, je peux prendre l'emballeur. C'est celui-là? Faut pas que je me trompe. L'emballeur. D'accord, c'est ça. Hop, c'est ça. Bon, on a l'emballeur. Maintenant, on va apprendre comment utiliser l'emballeur. J'ai dit faire une chose à la fois. Je veux pas trop m'en mêler les pinceaux. On va revoir avec l'alien. Je sais que je peux le faire l'alien, mais... Il peut attendre. Il va pas se sauver l'alien, je pense pas. Alors, c'était quoi qu'on devait emballer? L'oxygénérateur. On va tester ça. Oula. Ça là. Il est où le... C'est où qu'on le fait ça du coup? L'impacteur. L'emballeur, le v'là. Il faut du graphite. Que j'avais récupéré ultérieurement. Il n'y a pas si longtemps. L'emballeur. C'est ça hein. J'espère que je fais pas de bêtises. Emballe les objets pour faciliter leur transport. Pas compliqué, tu le craftes, tu le poses sur l'objet et tu l'utilises. Ah, c'est comme ça qu'on fait? Ah, je savais pas. Truc de fou les amis, j'apprends un truc de fou. Oh, mais c'est trop génial. Mais voilà. Voilà, t'as des gens nécessaires qui t'aident dans la galère.
Voilà, ça, on peut se débarrasser un petit peu de ce que j'ai sur moi. C'est génial, merci, je te remercie beaucoup en tout cas. Du coup, j'ai que la façade. Zut, voilà. Au moins, ça, je peux le jeter, j'en ai pas forcément besoin. Voilà, l'emballeur a été fait. Est-ce que je dois encore faire des emballeurs? Pas compliqué, tu le craftes. Oui. Ah, mais c'est carrément la station cassée que t'as. La station cassée, oui. La station cassée. Qui est là-bas? Là-bas, au bout, oui. Tu me disais pour le martien, avant de partir. Ouais, j'ai encore beaucoup de trucs à faire ici. Tu peux la tourner pour avoir l'autre côté? La station? Je peux pas la tourner. Là? Ouais. Ensuite? Raconte. Je sais qu'il y a une prise ici. Je sais qu'on peut mettre des objets là. Non, le stockage. Ah bon? Dans la fusée? On peut encore avoir de l'emplacement en le retournant. Ah, je pensais qu'il s'est utilisé qu'une fois. Ah. Donc je peux l'enlever. Le tourner. Oh. Oh merci. Merci l'ami. Ah tu me sauves. Tu me sauves parce que moi j'allais partir en fusée sans rien du tout. Impeccable. C'est retourné, c'est bon. Ensuite, tu la places gratuite. Ah carrément. Mais carrément. En plus de tout ce que j'avais pris dedans, tout est derrière, donc voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je dois encore apprendre avant de partir? Ou qu'est-ce que je dois faire, une mission, si tu voudrais que je vois un petit peu ce qu'il y a dans ma base, même si j'avoue c'est le bordel, hein, comme tu peux le voir. Est-ce que le propulseur serait nécessaire de l'avoir quand même avec soi? J'ai un propulseur qui est là. J'ai 4 allers-retours avec celui-là là-bas. Pour le lithium, t'as quasi rien à prendre, à part des rallonges. Yes, les rallonges, je m'en doutais, ça. Est-ce qu'il faut vraiment beaucoup? Est-ce que tu penses que 2 seraient bien? Du coup, j'en ai 2. Je pense que tu l'as vu. 1, 2. Je pense pas j'en ai plus que ça. J'ai des piles. Je pense pas que ça serait utile, des piles. Est-ce que pour de l'énergie, je prendrais aussi une petite éolienne solaire? Solaire ou éolienne? Parce que ici, au niveau énergie, je suis bien. Quoi. C'est surtout ça. Je suis bien. Je bois un petit coup. J'ai soif. On t'a... Non, t'as un RTG. Ouais, sur moi, j'ai un RTG, ouais. Sur moi, j'ai un RTG et j'ai... C'est impeccable. Perso, j'en prendrai 4 stacks. D'accord. Pardon, j'ai cliqué là où il fallait pas. J'ai changé d'écran entre deux. 4. Bon, en plus, j'ai l'emplacement, c'est pas ce qui manque. Ma bagnole, elle est là-bas. Et c'est dans ma bagnole qu'il y avait les composites. Il n'y en a plus qu'un composite. Ah, rallonge. 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 Donc là, j'ai 3. D'accord. Et là. Hop, voilà, 4. Ah, et désolé, j'ai l'oreille qui gratte. Ah. Faut dire 2 heures avec un appareil sur les oreilles. Seul songer depuis tout à l'heure, depuis 2 heures. Alors, pour être sûr. Pour être sûr. C'est bon, est-ce qu'on part? Est-ce que pour toi il est nécessaire maintenant de partir sur... C'était quoi que tu m'avais dit? Faut que je fasse le bête. Prends 4 emballeurs pour tout récupérer après. Les emballeurs, c'est comment déjà? C'est sur soi que ça se fait. Balise éclairage, pile, petite batterie, rallonge, boost. Je vais y arriver. Emballeur. Du graphite, ça. Surtout que le graphite, j'ai eu du mal à l'avoir. Je sais que j'ai 4 graphites, mais c'est cher payé parce que j'étais dans les grottes. J'ai du mal à en avoir. Est-ce que tu crois que 4 c'est nécessaire quand même? Ça veut dire après, c'est mieux pour le transport.
peut l'avoir avec la centrifugeuse. Ah oui, c'est vrai. Je suis bête, j'ai plus pensé à ça. Allez. Je pose même plus de questions. Tu réponds à toutes mes questions. Eda. 2. Et le quatrième. Voilà. Je vais le prendre dans mes bras. Ah. Prends-le dans tes bras. Prends-le. Ah, il veut pas le prendre dans ses bras. Et je vais le mettre là-haut. Celui-là parce que je peux pas le prendre autrement. Voilà. 4 emballeurs. Tu peux l'avoir avec la centrifugeuse. C'est vrai que la centrifugeuse, je vais aller voir un coup. Faut aller ici. C'est avec de la terre qu'on fait ça. C'est bien ça. Hein. Et je pense pas avoir de terre pour le moment. Je l'avais enlevé. Ouais, je l'ai pas avec moi, vous voyez. Là, je suis plein au niveau de trucs. Je vais mettre tout ça là-dedans. Pourquoi je garde tout ça sur moi? C'est vrai quoi. Est-ce que va vers Venasia finalement, la terre est moins dure? Est-ce que les emballeurs peuvent emballer plusieurs trucs? Genre 4 oxygénérateurs, enfin de rallonge. Est-ce qu'il peut en prendre 4 d'un coup ou pas? C'est une question que je me pose. Est-ce que c'est un objet? Obligatoirement un? Dommage. Donc finalement, tu me dis d'aller sur Venasia. D'accord, bon. Moi qui pensais... Venasia, c'est quoi déjà? Est-ce qu'il y a de l'aluminium ou du lithium? Je veux savoir, parce qu'il y a des sources que j'ai besoin pour les missions. Bah, après, je pense que tu connais le jeu mieux que moi. Mais j'ai pas envie de partir, tu vois. Mais... et de faire tout de travers. Parce que là, pour l'instant, dans ma série sur YouTube... Parce que oui, je suis YouTuber, hein. Je mets ma série en continu sur YouTube et j'aimerais bien que ça suive. Donc ouais, potentiellement, j'aimerais bien que le lithium, on le retrouve sur Vesania. Enfin, c'est bon. On va sur Vesania. Allez, c'est parti. C'est parti pour la mission de Vesania. Let's go. Alors, lancer en orbite ou sur notre planète directe? Bah, tu peux retrouver ma chaîne. Tu peux retrouver toutes mes vidéos. Que ce soit en live ou hors caméra, enfin hors live. Je fais aussi des vidéos par passion du jeu vidéo. En tout cas, je te remercie d'être là, Galactique, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Désolé pour les pubs, hein, si t'en vois, si t'en as. C'est bon, ça fait partie aussi des... De votre soutien. Je vais même pas m'excuser. Lancer en orbite. Est-ce que je lance? Je sais pas si tu m'entends. Vers Vesania! Yes! Alors, lancer vers une autre planète. C'est parti. Alors, je sais pas. C'est autre planète. D'accord. Alors, nous, on est sur Sylva. Désolo. Vesania. C'est parti! Vesania, nous voilà! Point d'atterrissage. Lieu naturel, site d'atterrissage. Lancer vers une autre planète, augmenter la vitesse, réduire la vitesse. Qu'est-ce que je fais? On s'en fout? Tant que j'atterris, peut-être. Allez, je prends le premier venu, désolé, hein, j'ai pris le premier venu. Et là, j'atterris apparemment. Et j'ai plus de carburant. Ah si. Lancement, j'en ai encore 2. Visite de Vesania débloquée. Yes. Je descends. Cool. On y est. Vesania, bonjour à toi. Bonjour planète à l'atmosphère étrange. Donc maintenant, on va mettre notre petite maison. Abri mobile.
Est-ce qu'on met l'abri? Bon bah faut déballer, c'est ça. Je suis un petit peu incliné ici. Ici on est un petit peu en hauteur, c'est bien ça. La hauteur, on a besoin d'hauteur. Tac, déballer. Oh, trop cool. Est-ce que je peux rentrer dedans? Hop, j'ai sauvegardé. Mais c'est ce qu'il fallait. Sauvegarde mon ami, sauvegarde. C'est impeccable. Bon, alors ça je sais pas c'est quoi, mais ça me gêne déjà directement. Ah zut. Oh 53, c'est plus cher que l'autre. Il y a des trucs dedans, on dirait des pustules. Bon après je peux le déplacer je pense. Ouais, on va le bouger là. Et là on va le fixer. Pas le fixer, il veut pas se fixer. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, nécessairement, j'ai 2 points d'oxygène déjà. Donc ici, après, on peut prendre une petite imprimante qu'on va développer. Ah, j'ai pas pris ce qu'il fallait peut-être pour les imprimantes. Petite imprimante, voilà. Ah, j'ai pas d'électricité. De où je me branche du coup? Dans la petite maison là-bas. Bah ouais, forcément. Je vais la mettre là du coup. Yes! Impeccable. Et en plus de ça, regardez. Bah, balam. Il est déjà fixé. Ah, il se fixe déjà. Ouais, mais je peux le déplacer, c'est ça que je me dis. Ça, je peux le bouger ou pas? Non, ça se fixe déjà. Petite imprimante, c'est fait. Non, pardon, je me trompe. Déballer quoi d'autre? Oxygénérateur. Ça, du coup, ça sera nécessaire. Moyenne imprimante. J'ai pas de plateforme. Ah, si, j'ai le plateau là. Non, c'est pas le même. Pour l'imprimante. C'est pas grave. Normalement, on peut faire. Oh, on peut. Est-ce que si je mets, par exemple, un tuyau ici, est-ce que ça va se brancher avec. Yes! J'ai déjà un tuyau. Oh bah ça commence bien, regarde là-bas. C'est pas mal ça. Ah, il y a quelque chose ici aussi. On peut faire un petit peu de visite. Je vois qu'il y a ça ici. Ah mais c'est beau comme vue, regardez cette vue. C'est magique. Ce jeu de la folie quoi. C'est beau, c'est beau. C'est quoi de ces arbres avec ces fruits là-haut? Il y a des fruits dans le coin. Je suis curieux, je suis désolé, mais je crois que la curiosité va me piquer, va me tuer. Qu'est-ce que c'est de ces arbres? Est-ce qu'elles sont dangereuses? Est-ce que c'est dangereux? C'est organique, c'est pas dangereux. L'ordinateur sert à rien quand t'as ton abri mobile, la miniature. La miniature? De quoi la miniature? L'oxygénateur sert à rien quand... T'as l'abri mobile. Ouais, je l'ai pris pour rien en fait. J'ai pris un emplacement dans le vide. Je suis vraiment bête. C'est tout, ça arrive hein, d'être bête. Bon, il sert à rien, malheureusement. On va le laisser là. Lui, on va le développer par contre. On va le garder ici. Désassembler. Mais il manque son plateau. Je crois qu'on peut faire un petit plateau ici, mais j'ai pas. Rallonge, répartiteur, solaire, plateforme moyenne. C'est vrai qu'on aurait pu faire une plateforme moyenne avant de partir et le garder dans notre truc. Donc du coup pour repartir ça va être un peu dur hein. Un peu just. Moi j'ai jamais été sur Vasania. Ah, la panorama c'est la miniature. Le la... Ah la miniature. Ah oui. Je vois ce que tu dis. La résine, il y en a partout. Voyons. Voyons, voyons. Je vais pas partir trop loin. Est-ce qu'on voit notre... Pardon. Est-ce qu'on voit notre maison d'ici? Est-ce que... Ouais, c'est signalé par des choses. Je sais pas par où partir. Ah bah si, regarde, la résine... Aïe, 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 il m'a fait peur ce con. Pardon. Il m'a fait saisir. Non mais dites donc, le fouet. Eh, le fouet du malheur. Attendez, on va le buter. Il m'a fait peur. Il va le payer de sa vie.
Bon bah écoute hein. Tu le payes de ta vie. Voilà. Il y en a un là-bas. D'accord, je repère les... le châtiment qui m'attend à chaque fois. Oh, regardez ce qu'il y a en dessous. Qu'est-ce que c'est ça? Objet de recherche. Ça dégage. Inconnu. On pourra l'emballer ça. Pas nécessaire de le garder. Je sais pas s'il faut le garder. Bon, on va chercher de la résine. Non, résine. Restons dans notre dans nos missions. Je commence à me répartir un petit peu partout, ça va pas. Pour éviter de faire des trous partout pour rien. Nah. Qu'est-ce qui fait que j'ai plus de place? Ça, ça dégage. Ah ouais, l'oxygénérateur, ouais, j'ai pas mis d'oxygène donc forcément. Je l'avais dit que je vais le payer. Le payer de ma vie. Après, je suis pas loin, loin. Oh là, qu'est-ce que c'est de ça? Je sais pas, c'était quoi? C'était une sorte. Alors, tu peux créer une salle de recherche. La résine, il y en a partout, donc. Ouais. Mais avant, l'ami. L'imprimante. Salle de recherche, c'est pas là-dedans, je peux pas. Salle de recherche. Stockage. Tracteur. Remorque. Propulseur. Emballeur. Petite bonbonne. Éclairage. Dynamite. Imprimante moyenne. Accélérateur. Bras automatique. Donc là, je reviens sur mes pas. Les pas nécessaires. Alors, désolé, j'ai un petit message sur mon portable. Je réponds. Voilà, il y a la vraie vie, hein. Je suis comme ça, c'est comme ça, il y a la vraie vie. Donc je devais faire une petite plateforme avec la résine. Voilà, résine. Alors là, c'est une petite plateforme simple. Pour l'imprimante, est-ce que ça serait bien ou pas? Salle de recherche, c'est un craft dans le moyen. Ouais, c'est pour ça que j'ai besoin de la... celle-là. Après, je peux prendre, c'est pas ce qui manque. Hein. Plateforme. Ouais, allez, c'est parti. Ça prend un petit peu de temps, il n'y a pas l'énergie qu'il y a de l'autre côté. Mais je peux prendre ma GTR et la mettre dessus, comme on dit. Hein. J'ai mis ma GTR en plus. J'espère que ça donne plus de choses. Je vais le mettre à côté. Développer. Yes, c'est génial. Et ça se branche. C'est peut-être un peu trop près, non? Et on va verrouiller. Donc ici. Four de fusion sans frivage de terre. Salle de recherche, c'est ça que tu veux. Hein. Salle de recherche, c'est ta craft dans l'ombre. Ouais, composite. Je pense que le composite aussi, on peut trouver un petit peu partout. Je l'espère. Du composite. Qu'est-ce que c'est que ça, là, du coup? Ouh là là. Est-ce que ça peut faire mal si je vais dessus? Spécial. Oh, oh, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Que vois-je du loin, l'ami? Ah bah, ah bah, ah bah, ah bah. Composite. Direct. J'en ai que deux. Deux. Oula, il y a notre ami fouetteur. Yes, c'est bon, j'ai les trois. Je prends le nécessaire pour le moment, j'ai pas encore de stockage. Et ça va se faire avec le temps. Pourquoi il le met pas dessus? What? Examiner.
Et une résine. Excuse-moi. Salle de recherche, c'est ça. Hein. Salle de recherche, c'est ta craft. Allez, hop, on se fait une petite salle de recherche pour avoir. Parce que ici, il va y avoir aussi des crafts. Des choses à scanner. Les emballeurs. Peut-être pas nécessaire. Il faut une salle de stockage. Une salle de stockage. Je me suis compris. C'est le principal. Plateforme moyenne. Stockage. Résine. C'est pas ce qui manque, on avait dit. C'est juste à côté de chez moi, c'est pas grave, tu peux rester là si tu veux. Je vais faire quelques stockages quand même, hein, je pense. Je vais attendre qu'il finisse parce que j'ai pas beaucoup d'électricité. Pas pour l'instant, tu en as dans la fusée. Ah oui, mais oui. Bien vu l'aveugle. Bien vu l'aveugle. C'est parce que je me remplis vite, je trouve. Est-ce qu'on commence à se balader ou à partir quelque part? Salle de recherche, je vais le développer. Ah, il faut une plateforme pour lui. Place les emballeurs sur le sol. Ouais. Voilà. Comme ça, j'ai de la place. Yes, on a de la place. Il nous faut de toute façon une plateforme pour la salle de recherche, je pense. Peut-être pas nécessaire maintenant. Place les emballages. C'est bon. Je t'ai écouté la nuit. Donc, une petite plateforme, ça serait bien. Salle de recherche, ça c'est fait. Grande plateforme. Allez. Une grande plateforme. C'est de résine, ouais, c'est ça. Pas celle-là, ah bah trop tard. Je peux l'annuler ou pas? Annulé, c'est bon, j'ai annulé. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? De plus, j'ai perdu une résine. Non, c'est bon. J'ai sauvé la donne. C'était pas celle-là. Annule, c'est bon. Laquelle? C'est la grande, la A. C'est la plateforme étendue. Celle-là. Mince. Mince. Du coup, je l'ai perdu. B, A. C'est la grande. A. Celle-là. Oui, c'est bon. J'étais assez rapide, apparemment. Claire allonge. Vas-y, mets-toi là. Et on va partir... Alors, la boussole. Qu'est-ce qu'elle dit, la boussole? Le nord, c'est par là. Donc, le nord. Et il y a un point rose. Le nord. Il faut partir dans les profondeurs des caves. Est-ce qu'on peut faire une cave nous-mêmes? C'est quand même cool. Faire notre propre cave. Oula, j'ai pris mon flag. Yes, alors la plateforme, je la mets où? Je vais la mettre à côté. Juste là. Il faut de l'électricité. Est-ce qu'il y a une alimentation de l'autre côté? Oui. Ah, il y a ça là, c'est quoi ça là? Ah, il y a des caillasses. Il y a des caillasses. Au secours, il y a des cailloux.
On va le mettre derrière. Si j'arrive à le mettre d'autres billets peut-être. Comme ça. Yes, et là, on verrouille. Et tout de suite, on prend ça là-bas. Salle de recherche. Qu'on déballe. Voilà, salle de recherche prêt. Oui, en creusant. En creusant. Un peu à la Minecraft. Donc ça c'est la salle de recherche, convertit les objets de recherche et les ressources en octets. Ok. Ok, ok. C'est cool que ça pousse. Ou après je peux me balader quoi. Après on est pour une balade hein. Mais le truc que t'as trouvé sous la plante dedans, c'était quel côté déjà? C'était où? Parce que moi je me perds vite hein, un truc de malade. Je crois que c'était par là. J'ai trouvé la résine et tout, puis je me suis fait strike. Ça. Voilà. Hop. Yes. Là. Il veut pas l'examiner. Si, vas-y, examine. C'est parti. 5 minutes. On a le temps de faire d'autres choses en 5 minutes. Alors, je vois plein de trucs. Hein. Forcément, je... Faut pas que j'oublie de mettre de l'oxygène, peut-être, quelque part. Oh, il y a une grande forêt de je sais pas trop quoi là-bas. Ouais. Donc du coup faut que je tire un tuyau d'oxygène. J'ai vu une cave par là, non? Tout droit. Bah. Ah zut. À chaque fois j'arrive pas à le... Va vers l'espèce de tour. Je m'y dirige. Tu vois, je m'y dirige. T'as pensé la même chose que moi. Mais j'ai vu ça là. Regarde, un trou. Je vais arrêter là de mettre des bâtons. Et il n'y a rien. Je pensais qu'il y aurait eu quelque chose, mais non. J'ai oublié de prendre mes trucs. Qu'est-ce que je suis bête par moment. J'ai pas pensé à prendre mes bâtons. Oh, oups. Ah, ah ça c'est embêtant. Double écran. Allez, on va aller voir là-bas. Alors je fais très attention parce que je vois plein de trucs. Danger. Déraciner pour récupérer la graine. Ah oui, j'ai mon truc sur moi. Sur mon flag. J'enlève. Yes. Et c'est cultivable. Bourré, va t'arrêter trop, Satanas. Ouh. Oh, qu'est-ce que je vois là-haut? Regarde l'éolienne, mon ami. L'oxygène aussi. Si j'oublie le nécessaire. Au moins, on a arrêté jusque-là. Pardon, j'ai mon pistolet, donc du coup, je fais des... Des cacouilles. Allez. Ça explose fort, ça? Faut voler l'éolienne. Ouais, je vais le voler l'éolienne. T'en fais pas, je vais le prendre. Je comptais aussi me servir.
J'explose tout ça avant. Hop, rangeons en jambes. J'ai peur de me prendre une gifle avec les trucs là tout à l'heure. Allez, on vole l'éolienne. Oh my god, il faut 4 emplacements, il est énorme. J'aurais pas la plateforme pour. Je peux pas le prendre comme je veux, faut que je me balade comme ça avec. Ah, c'est tellement lourd. Je pensais que c'était tellement facile à prendre. Je peux pas le mettre dans mon sac non plus. Ah, l'emballeur. Ah, l'emballeur. Oh, c'est bête, j'ai pas pris d'emballeur. Dans la tour, il y a du stuff. J'avais pas vu ce message. En fait, je cours plus vite quand je fais ça. Désolé pour la vue merdique. Hein. Non, je voulais le prendre. Alors, je sais pas comment on va faire pour le masse. Pour mettre cette éolienne. Récupérer, c'est bon, il est à la maison. Voilà. La tour, c'est un panneau solaire. Tu peux le connecter à la base pour plein d'énergie le jour. Ça là-bas, c'est une éolienne. C'est un panneau solaire. Oh, génial. Comment on le connecte? Avec des rallonges. C'est ça? Des petites rallonges. Oh, mais ça serait mais tellement génial. Le panneau solaire. L'électricité. De fou. Oui, avec des rallonges d'énergie, il faut du cuivre. Et j'ai pas de cuivre là. Mais en tout cas, je suis très heureux de savoir que tu m'as guidé ici, l'ami. Ah, oh, purée. Échantillon. Mais non, mais scanne-le, je me suis trompé de bouton. J'ai scanné. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à récupérer dans le coin? Débris. Et que des débris. Peut-être à l'arrière ici. Je fais attention parce que les monstres. Ces énormes trucs. Ah, il y en a un de cassé là, de débris d'éolienne. De la résine, que je pense que je vais collecter. Voilà, ça c'est fait. On a récupéré deux résines en plus. Alors... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Des débris. J'ai rien d'autre ici. Est-ce que je continue quand même? J'ai pas trouvé non plus de grotte pour le moment. On avait dit qu'on pouvait le faire soi-même. Oh! Ah, mais c'est des crevasses naturelles, ça. Je cherche. Je pense pas que je vais trouver comme ça des... Tout près de chez moi, non, je pense pas. Oh, purée, la chance! Oh, le bâtard! Oh, le bâtard! Ah, oh, j'ai fait le con! Ah, pardon pour le gros mot. Il m'a fait saisir. Meurs, va t'aider trop, Satanas! Il m'a fait saisir. Bon. Au moins, on a un passage. Ici. C'était là tout à l'heure qu'on avait été aussi ensemble. Je vais détruire ces trucs-là parce qu'ils font mal.
Oula, si c'est pas le truc qui va me détruire, c'est l'oxygène. Oui, avec les rallonges d'énergie. Comme tu veux. Par contre, la vie Discord marche pas. Ah ? Ah, je pensais que ça marchait, Discord. Masse. Attends, l'ami, je vais essayer de régler ça. De toute façon, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait quand même quasiment 3 heures. Ouais, bah écoute, je vais essayer de voir. Je vais mettre mon pépère ici. On va sauvegarder pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien avancé, moi je trouve. On a changé de planète. Ça sera pour une autre fois. Hein. Pas... Voilà. Ça c'est fait, c'est sauvegardé. Pour le retour YouTube, je vous dis à la prochaine. Je fais des bisous à tous. Portez-vous bien. Commentez, likez, partagez, hein, surtout. Et n'hésitez pas, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Des bisous. Portez-vous bien. Allez, zou.